Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais donc déclarer cette séance du Conseil communal du mois d'avril, du 24 avril, ouverte. Donc je remercie l'ensemble des membres du Conseil communal. Nous sommes effectivement au complet ce soir, mais je dois excuser trois membres de notre assemblée qui ne pouvaient pas être parmi nous ce soir. C'est la conseillère Muriel de Dobeler, le conseiller Pierre-Yves Hubeau et le conseiller Nino Manzini. Pour les souffrants, on leur souhaite évidemment un prompt rétablissement. Alors, nous allons débuter notre séance publique du Conseil communal avec une demande d'interpellation citoyenne, puisque vous le savez, les citoyennes, les citoyens ont l'opportunité, l'occasion, la liberté de pouvoir interpeller le Conseil communal ici même en avant-séance du Conseil, donc concernant, enfin, suite au règlement d'ordre intérieur de notre Conseil communal. Donc, la question doit nous parvenir 15 jours avant la séance. Alors, dans les faits, la question nous est parvenu 14 jours avant la séance, mais comme il y avait les congés de Pâques et tout ça, on s'est, enfin les congés rétrécis puisqu'on n'a plus qu'un jour à Pâques en tant que tel, on a dit qu'il n'y avait aucun problème évidemment et qu'on allait accepter bien évidemment la demande de monsieur, alors désolé si je prononce mal, Johnny Alomba, c'est ça, plus ou moins Alomba. Voilà. Donc, vous avez souhaité interpeller notre assemblée sur un point qui sera d'ailleurs, enfin, qui est à l'ordre du jour du Conseil communal. Mais donc, nous allons regrouper, évidemment. Donc, il y aura, parce que je suis obligé de faire respecter, évidemment, le ROI. Je t'ai vu, hein, ne t'inquiète pas, Anne-Françoise. Mais donc, nous allons d'abord répondre à votre question. Vous pourrez également rétorquer si vous le souhaitez. Et puis, après, la séance officielle du Conseil communal débutera par l'approbation du procès-verbal et directement je proposerai à l'Assemblée qu'on puisse parler évidemment du point relatif donc à la fermeture de l'implantation de Petit Reux pour que vous puissiez aussi vous-même participer au débat démocratique lié donc à cette décision. Voilà, comme ça au moins on chamboule un petit peu l'ordre du jour tel qu'établi par les programmes informatiques, mais au moins nous pourrons faire d'une pierre deux coups. Anne-Françoise, la conseillère, vous souhaitez ? Ah bah oui, ben voilà. Comme quoi, on est toujours sur la même longueur d'onde. Alors, je vais donc proposer à monsieur de bien vouloir s'avancer, de lire le texte tel qu'il nous l'a été, nous l'a envoyé. Normalement, vous avez vu avec la technique comment ça se passe et tout ça, vous avez un micro formidable. J'espère qu'il fonctionne. Voilà, parfait, on vous entend. Parfait. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Tout d'abord, bonsoir, monsieur le bourgmestre. Bonsoir, madame l'échevine de l'enseignement. Bonsoir mesdames et messieurs les échevins, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers communaux. Je me permets quand même de me présenter, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Je suis Alain Johnny Aolemba, comme vous l'avez dit. J'habite Braine-le-Comte et je suis le papa d'une petite fille qui est rentrée en premier accueil à l'école de Petit-Reux-les-Braines en janvier 2023. Je me présente à vous aujourd'hui en tant que papa, en tant que porte-parole des parents de Petit-Reux et en tant que porte-parole de tous ceux et celles qui s'inquiètent de l'avenir de l'école de Petit-Reux. Car en effet, ce soir, vous allez décider du destin de l'école communale de Petit-Reux-les-Braines, cette école qui existe depuis des décennies et qui a marqué chaque enfant qui a été scolarisé, à en croire les témoignages de la pétition, va peut-être bientôt disparaître. Cette école maternelle de village fait partie des deux seules écoles de Braine-le-Comte qui n'accueillent que les maternelles. Les enfants entre 2 ans et demi et 6 ans ont des besoins particuliers. Beaucoup de choses se jouent à ces âges-là dans leur développement et qui sont déterminants pour la suite de leur vie. Fréquenter une école où tout est à leur échelle, en étant des petits groupes de classe, avec une ouverture sur le village, et en prime la nature, sont de sérieux avantages pour grandir dans les meilleures conditions et avoir des chances de développer une sécurité intérieure qui permettra à ces jeunes enfants de vivre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte de manière sereine d'un point de vue physique et psychologique. Comme on dit, bien dans leur peau, bien dans leur tête. Entre 2 ans et demi et 6 ans, c'est le temps des premières séparations. Ils ont besoin d'être rassurés, c'est le temps des premières socialisations. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur rencontre avec les autres. C'est le temps où ils apprennent à comprendre leur corps avec notamment l'apprentissage de la propreté, comme ma fille. Ils ont encore besoin d'adultes qui prennent soin d'eux, et de manière générale, ils ont besoin d'une sécurité émotionnelle qui ne peut se faire qu'avec des adultes disponibles, bienveillants pour écouter leurs besoins particuliers. C'est le cas à Petit-Reux.
Je me permets de m'arrêter juste pour dire que j'aime beaucoup ce chapitre, ce paragraphe, parce qu'il rappelle vraiment les besoins d'un enfant et ce que Petit Re peut apporter à ses enfants. Fermer des écoles aujourd'hui nous semble une aberration. Il est prouvé que travailler, apprendre dans des petites classes est bénéfique tant pour les enfants que pour les enseignants. Préserver où cela est encore possible devrait être, selon nous, la priorité des élus communaux. Vous nous direz cela coûte trop cher. C'est un refrain qu'on entend bien trop souvent. Mais il existe des alternatives, des solutions à envisager. Il faut juste faire preuve de créativité et mettre l'éducation de nos enfants sur la pile des dossiers à traiter en priorité. Des subsides, il en existe, et vous le savez. Les subventions régionales de l'URBA sont disponibles pour aider les personnes de droit public, par exemple, les communes, vous, qui veulent améliorer leur bâtiment et en réduire la consommation énergétique. Un appel à projet a déjà été manqué en 2022, mais il y en a actuellement un auquel il est possible de répondre jusqu'en juillet prochain, et un autre aura lieu en octobre 2023. Nous n'avons pas une chance de présenter un dossier, mais deux. Il serait donc possible de répondre à ces appels à projets et de récolter des subsides pour pallier le coût important que représentent les travaux de ces deux classes. Chercher bien évidemment des entrepreneurs à moindre coût et réfléchir à des solutions pour éviter de chauffer les bâtiments scolaires la nuit et les week-ends. Ça pourrait aider. Le coût peut paraître exorbitant pour ces rénovations, mais comparativement au budget global des dépenses extraordinaires de 11 620 000 euros, que vous connaissez, cela reste une somme mineure, d'autant plus si des subsides peuvent être trouvés. Pour le moment, la seule solution acceptable envisagée par la majorité communale est de regrouper les élèves de Steinkerck et de Petit Re les Brennes dans des classes existantes de Steinkerck. Donc au final, ça s'appelle augmenter donc la population dans les classes. Pardon. Ça s'appelle rationaliser la situation de Petit Re et de Steinkerck, d'après vos dernières paroles, monsieur le bourgmestre. Actuellement, la politique de Braine-le-Comte, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, est de laisser construire de nombreux immeubles à appartements et autres habitations. Des projets en cours ou à venir feront naître 1800 nouveaux logements. Sur l'entité dans un avenir proche, il faudra être devin pour savoir qui viendra loger dans ces habitations. Ou Madame Irma, je pense. Par contre, il nous semble imprudent, voire même insensé, de fermer une école où des places sont encore disponibles dans ce contexte. On peut déjà le voir aujourd'hui, dès cette année, à l'école de Petit Re les Brennes, il y a des enfants de Braine-le-Comte, il y a des enfants de Petit Re et de Steinkerck, malgré la faible distance entre les deux écoles. On constate qu'il y a beaucoup d'énergie qui est déployée actuellement par la majorité communale sur des dossiers tels que la rénovation de la Grande Place, la création d'un parking sur le site des Dominicains, la création de nouveaux locaux communaux au site Catala. Alors je vous pose la question. Est-ce que les écoles, les enfants et les enseignants ne méritent pas le même déploiement d'énergie? N'est-ce pas le rôle de l'échevine de l'enseignement de venir soutenir les enseignants et de tout mettre en œuvre pour défendre les écoles? Est-ce que la gestion de l'enseignement à Braine-le-Comte ne va-t-elle pas se limiter qu'à une gestion comptable? L'argent va-t-il primer sur le bien-être des enfants? Ce n'est pas ce que nous souhaitons en tant que parents. Et nous allons voir ce soir ce que vous, en tant qu'élus communaux, souhaitez pour l'avenir de nos enfants. La décision de fermer cette école est entre vos mains. Depuis un mois, nous avons effectué une pétition où on a récolté environ 800 signatures. On a fait une pétition en ligne et une pétition papier. On a 800 signatures, dont plus de 400 signatures de Braine-le-Comte. Dans cette pétition, nous demandons aux élus de la majorité de Braine-le-Comte de suspendre cette décision de fermer l'école de Petit Re et de constituer un groupe de travail avec les acteurs concernés pour trouver des financements à la rénovation et envisager toutes les solutions imaginables pour maintenir l'école de Petit Re les Brennes ouverte. La majorité communale est-elle prête à travailler main dans la main avec les citoyens sur ces questions, à suspendre sa décision et à mettre tout en œuvre pour maintenir cette école de qualité ouverte? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est l'échevine de l'enseignement, Ludivine Papleux, qui va vous répondre. Merci.
Merci, monsieur, pour votre interpellation. Nous avions déjà répondu au précédent conseil communal à une question orale relative à la fermeture de l'école. L'école de Petit-Reux, comme vous le savez, comprend au total au 30 septembre 12 élèves et 14 au comptage du 16 janvier 2023. Elle est donc en sursis et peut l'être pour 2 années consécutives. Depuis quelque temps, on remarque qu'il y a une diminution du nombre d'élèves et que les chiffres ne parviennent pas à remonter la pente. Et malheureusement, les investissements qui ont été réalisés par la ville n'ont pas permis la croissance du nombre d'élèves. Une analyse démographique qui a été réalisée par notre directeur général indique qu'il n'y aura pas d'augmentation d'élèves dans nos écoles communales. De plus, aucun projet immobilier n'est prévu à Petit-Reux. Nous ne risquons dès lors pas d'avoir des classes bondées, même en rapatriant certains élèves de Petit-Reux à Steinkerque. En 2021, le collège communal a commandé une étude auprès d'un bureau d'études et la mise en conformité des bâtiments de l'école de Petit-Reux nécessiterait un investissement entre 431 600 et 530 400 euros hors TVA. Il a donc fallu faire des choix, intégrés dans un plan de gestion. Et l'une des mesures est le principe de la fermeture de l'école de Petit-Reux. Il est aussi à noter que notre ville est accompagnée par le CRAC et qu'il y a lieu de respecter des balises d'investissement. Le faible nombre d'élèves, la vétusté du bâtiment et les coûts énergétiques qui en découlent ont tendu vers ce choix politique de fermeture. Nous entendons bien qu'il s'agit d'une décision difficile à accepter sur le plan humain, aussi bien pour les enfants, les parents que pour les enseignants et la direction. Le lendemain du conseil communal du 19 décembre 2022, un courrier du collège a été rédigé et envoyé aux parents de l'école de Petit-Reux, les informant d'une potentielle fermeture en attente d'une décision officielle. Nous n'avons reçu aucun courrier suite à ce courrier qui a été envoyé. Nous avons simplement rencontré l'association des parents le 30 mars 2023 à sa demande. L'association des parents a d'ailleurs reconnu avoir lancé la pétition un peu tardivement. Suite au conseil communal toujours, notre directeur général a rencontré le personnel enseignant pour écouter ses ressentis et expliquer les tenants et aboutissants du dossier. Le service enseignement et les directions d'école ont aussi pu faire des perspectives pour l'année scolaire prochaine et il n'y aura bien sûr aucune perte d'emploi. Une présentation a été réalisée au conseil de participation et un avis favorable de la COPALOC a été rendu. Nous avons donc totalement respecté la procédure. Quant aux primes énoncées, sachez qu'elles représentent souvent des cadeaux empoisonnés et nécessitent de répondre à diverses conditions. Il suffit de s'en référer à l'Union des villes et des communes wallonnes, informant des implications des 10 subsides et du suivi nécessaire à y apporter. Notre conseiller en énergie nous indique que pour les subsides UREBA, les dossiers seront évalués sur l'économie d'énergie après travaux. En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire allouée, les dossiers éligibles seront classés selon 3 critères pondérés équitablement. Les demandeurs ont donc tout intérêt à monter des dossiers d'ampleur et d'ambition énergétique la plus élevée possible, ce qui signifie des budgets de rénovation importants. Pour la première vague, les dossiers de candidature devaient être envoyés au plus tard le 14 septembre 2022. Le 7 septembre 2022, un projet pour la rénovation complète du site du service des travaux a été introduit et retenu. Nous n'avons donc pas raté la première vague, seulement d'autres projets avaient été priorisés. Concernant la deuxième vague, la date limite est fixée au 15 juillet 2023, annoncée officiellement le 13 mars 2023. Et pour la troisième vague, la date limite est fixée au 31 octobre 2023, annoncée officiellement le 13 mars 2023 également. En matière d'appel à projet concernant les économies d'énergie des bâtiments publics, le service énergie a travaillé sur 3 appels à projet, dont notamment les écoles. Nous avons aussi obtenu un subside UREBA exceptionnel et un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toujours pour nos écoles communales. Quant à l'expression « trouver un entrepreneur pas cher », les administrations publiques sont soumises à la loi sur les marchés publics et les prix du marché ont connu une forte inflation suite aux crises récentes. Le 20 octobre 2022, le collège a adopté un plan énergie visant à atténuer l'impact de la crise énergétique et la hausse des prix de l'énergie. Ce plan a été communiqué à tous les acteurs de la ville ainsi qu'aux écoles. Parmi les mesures prises, une diminution de la température de 1 degré a été instaurée sur les chaufferies de la ville, ainsi qu'une adaptation des horaires de régulation des chaudières afin que les systèmes de chauffage soient à l'arrêt durant les week-ends et les vacances scolaires, et bien d'autres mesures. J'en profite pour remercier les services communaux qui travaillent pour nos écoles et agissent au plus vite pour le bien-être et le bon fonctionnement de tous les acteurs du terrain scolaire. La volonté du politique est de consolider l'école de Steinkerque qui permettra d'accueillir dignement les enfants de Petit-Reux pour les parents qui souhaitent que leurs enfants poursuivent le même type d'enseignement que celui dispensé à Petit-Reux. Nous ne voyons pas en quoi la qualité de l'enseignement serait moindre à Steinkerque, qui est aussi une petite école de village. Les enseignantes sont très attentives à la sécurité et au bien-être de chaque enfant pris dans son individualité. Steinkerque accueille d'ailleurs des enfants à besoins spécifiques, c'est dire si cette école prend en compte les besoins particuliers.
Aussi, nous avons une assistante à l'institutrice maternelle. Et des promenades et des projets nature peuvent avoir lieu puisque nous avons la chance de bénéficier d'un petit bois à proximité. Les trajets en bus avec accompagnatrice seront maintenus. Vous nous excuserez dès lors de ne pas aller dans le sens de vos arguments. Des travaux seront réalisés dans une classe afin d'avoir de la place supplémentaire. Les nouveaux modules vont bientôt arriver, donc pour le mois d'août, ils seront installés. Ajoutons aussi le futur parking ainsi que l'installation du Wi-Fi. Lors des portes ouvertes du 15 avril, les parents ont donc pu se faire une idée des travaux qui allaient être réalisés via des plans mis à disposition. Quant à mon rôle que vous citez, je suis en tout temps à disposition des enseignants et n'hésite pas à donner suite à leurs demandes sans compter mes heures et en dépassant d'ailleurs mon rôle pour résoudre au mieux les problématiques et donner suite le plus rapidement possible aux requêtes. Je rencontre également les enseignants lorsqu'ils en ont besoin pour des soucis logistiques ou encore humains. Je ne compte plus les réunions de travail avec les directions d'école et des discussions ont pu être menées avec l'équipe éducative concernant tout ce qui concerne le déménagement et l'aménagement des locaux. Sans être sur le terrain, bien sûr, vous ne pouvez pas vous rendre compte de cette réalité administrative qui est vraiment conséquente. Bien entendu, le PO défend l'enseignement, mais dans ce cas-ci, il s'agit d'une mesure fondée et réaliste, prise par le collège dans son entièreté et non par un élu individuellement. Pour conclure, nous avons tous les mêmes objectifs, le bien-être des élèves, des différents acteurs scolaires et le bon fonctionnement de l'école. L'école de Saint-Quer permettra, de par les divers travaux prévus, de proposer un meilleur environnement pour les apprentissages. Merci. Merci, Madame Léchine, de l'enseignement. Monsieur, si vous le souhaitez, vous pouvez rétorquer, en fait. Vous pouvez reprendre la parole. Oui, 2 minutes maximum. Et si vous voulez, il y a un petit compteur. On a la chance d'avoir un petit compteur. Si okay, vous me direz si je dépasse alors le temps. Je m'étonne déjà sur le nombre d'élèves dont vous citez. Donc, on est 14 et que vous n'arrivez pas à augmenter le nombre depuis quelques années. C'est normal. On se rend compte qu'il n'y a pas de réel projet autour de l'école de Petit-Reux. Les gens découvrent Petit-Reux par hasard. Donc je ne sais pas comment vous faites pour promouvoir l'école de Petit-Reux et pour augmenter le nombre. Si c'est juste en créant des préaux ou des montées des cheminées, ce n'est pas de cette manière-là qu'on favorise l'action au niveau des parents. On veut créer un réel projet avec Petit-Reux. C'est ce qu'on est, on est venu ici pour ça. Se concerter et savoir comment augmenter la visibilité de l'école de Petit-Reux. Et c'est ça qu'on parle depuis le début de cette pétition, de trouver des manières de promouvoir cette école qui a déjà un enseignement de qualité. Et c'est dommage de s'en priver. C'est surtout ça qu'on dit, parce qu'il y a une pluralité d'enfants qui vont venir ici à Braine-le-Comte. On l'a dit, à Petit-Reux, il n'y a pas que des enfants de Petit-Reux, mais il y a des enfants de Braine-le-Comte et de Saint-Quer qui viennent également. Donc, c'est dans ce sens-là que fermer une école nous semble complètement aberrant, comme on l'a dit. Par rapport à Saint-Quer, j'ai fait les portes ouvertes de Saint-Quer. Il n'y a pas d'agrandissement de classe. Les deux classes ne vont pas s'agrandir. Il y a des zones qui vont être aménagées pour avoir plus de place, mais les deux classes en tant que telles ne vont pas s'agrandir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir plus d'enfants dans des classes. C'est ça qu'on va dire. Donc je n'attaque pas la qualité de l'enseignement. La qualité, on a des institutrices qui vont tout donner et qui font le mieux possible. Et on est tout à fait d'accord. On veut tous ensemble le mieux pour nos enfants. On est tout à fait également d'accord. Mais c'est comment on y arrive? On y arrive en créant un projet avec une école, autour d'une école. L'école de Petit-Reux, la pétition a montré que des enfants voulaient s'y inscrire. Donc à court terme, le 37 ans, je peux vous dire qu'on a 14 enfants à Petit-Reux. À moyen et à long terme, je peux vous dire que si on crée un projet autour de Petit-Reux, si on crée un projet autour de cette école, de ce village, il y a des gens dans ce village qui sont prêts à mettre même leur ferme, leur prairie, qui nous ont dit, pour élaborer un enseignement pédagogique autour de cette école. Ils sont motivés, cette pétition a réveillé des consciences. Donc, c'est avant tout la première chose. Au niveau des subsides, je vous entends avoir peur d'utiliser des subsides. C'est un peu étonnant. On a des primes qui peuvent servir, surtout que vous dites que vous êtes sous crack. Aujourd'hui, on a une commune, je prends l'exemple, par exemple, d'une isolation sur toiture. C'est des montants forfaitaires, c'est-à-dire que pour une isolation, vous avez déjà des montants définis. Donc, par exemple, entre 185 et 225 euros par mètre carré. Vous avez une toiture de 100 mètres carrés, ça vous fait quand même 20 000 euros plus ou moins de prime. Aujourd'hui, on est une commune sous crack et vous dites qu'on n'a pas besoin de 20 000 euros pour refaire sa toiture. On est en train de courir. C'est pas, enfin,
En fait, je suis très embêté parce qu'on est déjà à 4 minutes. Ah oui. Et en plus de ça, vraiment, je suis encore plus embêté parce que vous comparez vos situations familiales, personnelles que vous pouvez avoir en tant que citoyen et que nous n'avons pas en tant que public. Et donc, c'est vrai qu'autant la pétition a pu réveiller les consciences sur l'école de Petit-Rhin, autant c'est intéressant que vous réveilliez vos consciences aussi sur la gestion d'une ville qui n'est pas si simple. Et rien que pour vous donner un exemple, ici même au Conseil communal, nous avons des débats très, très, très forts parce que sur les 11 millions que vous avez cités tout à l'heure avec un peu de dédain, il y a notamment 2 millions d'euros qui sont mis pour rénover l'école de Ronquières, qui est une école communale également, de village, dans un village. Et on se fait alpaguer par l'opposition parce que les budgets explosent et que l'enveloppe de subsides ne bouge pas d'un iota. Et ça, je suis assez d'accord avec l'opposition. C'est scandaleux. Et c'est pour ça que quand on vous dit qu'on a une peur des subventions, c'est juste qu'en fait, ce sont, et c'est pas ce qu'on a dit, l'échevine a d'ailleurs dit, ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce qu'effectivement, ce sont des cadeaux empoisonnés. Et donc, ce n'est pas si simple. Et dans les budgets, l'échevine ne l'a pas dit parce qu'effectivement, elle était prise par le temps et elle voulait respecter le héroïsme que nous sommes en train tous ici, et moi le premier aussi, d'enfreindre. Mais nous avons près d'un million d'investissements sur l'école communale de Steinkerck, plus des 2 millions d'investissements sur l'école communale de Ronquières, plus de l'investissement en panneaux photovoltaïques sur les toits de l'école communale d'Ennuyères qui vient d'être agrandie il y a quelques années. Et donc, dire qu'on n'investit pas dans les écoles communales de notre ville, ce n'est pas vrai. Et on ne ferme pas une école. C'est important de le dire, nous fermons une implantation d'une école. Parce que l'école, c'est Steinkerck-Petit-Rhin. Ça, c'est l'école. Et c'est juste qu'une des implantations ferme, mais l'école reste. Et elle reste à 2,7 km de Petit-Rhin pour l'école de Steinkerck. Et franchement, quand vous regardez, mais on va l'aborder tout de suite après, vous verrez, on a fait un PowerPoint avec les chiffres. Vous verrez aussi les chiffres de Steinkerck. Les chiffres sont en baisse également à Steinkerck. Et donc, si vous regardez, on va le montrer. In fine, ce n'est pas qu'une question financière. Évidemment, vous pensez sincèrement que c'est chouette pour nous de nous retrouver dans cette situation? Évidemment que non. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on a parlé de rationalisation. Mais quand vous dites, à la rentrée, on a 14 élèves, c'est trop peu. C'est trop peu parce que ça veut dire que pour la deuxième année consécutive, on sera à 14. Et avec 2,7 km de distance entre les deux implantations, normalement, ce n'est même pas le seuil de 14 tel qu'on l'a utilisé, c'est le seuil de 20. Et ça, on ne l'aura plus. Non, mais ça, on a eu du cabinet de la ministre. Oui, mais nous aussi, on a eu le cabinet de la ministre. Et donc mais tant mieux, gardons le chiffre de 14. Gardons le chiffre de 14. Et quand j'étais chemin de l'enseignement il y a quelques années, on était déjà en pénurie d'élèves. Et il y avait déjà eu un sursaut. Mais à ce moment-là, il faut se poser la question, pourquoi on est en pénurie d'élèves? Car il n'y a pas de projets qui sont créés autour de ces écoles communales. Parce que nous sommes dans des petits villages. Petit-Rhin, c'est 700 habitants. Steinkerck, c'est 300 habitants. Et donc, vous ne pouvez pas demander dans des petits villages d'avoir des infrastructures où on va avoir un déplacement de population qui n'est pas du tout dans l'air du temps du développement durable, de faire déplacer les gens de la ville vers les villages. C'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils doivent se déplacer le moins possible ou se déplacer en mode doux. Et donc, pour l'instant, d'ailleurs, on n'a vraiment pas l'opportunité de le faire. Donc vraiment, malheureusement, on est en train de complètement dépasser parce que je ne peux même pas, monsieur a interpellé, il ne peut même pas normalement prendre la parole, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté du code de la démocratie locale et de la décentralisation. Donc je dois malheureusement clore le débat. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir officiellement la séance du conseil communal pour demander d'abord aux conseillers communaux de pouvoir approuver le PV et puis après nous passerons au point formel lié à cela et le débat démocratique pourra se faire, mais malheureusement vous ne pourrez plus intervenir, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, okay. C'est le code de la démocratie locale et de la décentralisation de la Wallonie. C'est toujours une déception pour une enclave démocratique où le citoyen ne peut pas réagir à tout ça. N'hésitez pas, comme vous le dites l'année prochaine, à voter envers des partis qui donneront plus de pouvoir au code de la démocratie locale et de la décentralisation. Exactement. Mais à ce stade, voilà, moi je suis obligé d'appliquer la loi. D'accord. Désolé. Comme si c'était tous les jours que les citoyens venaient à votre conseil communal, c'est un effet rare. Donc il y a le règlement. Non, c'est pas rare, on les a déjà eus sur plein de sujets. Il y a un effet, le citoyen ne vient pas tous les jours, je regarde vos conseils communaux, le citoyen n'est pas là tous les jours. Mais la dernière fois qu'on a eu des citoyens, c'était communal. Pour un projet immobilier. Voilà. Enfin, contre. Est-ce qu'on peut passer à l'approbation du procès-verbal de la précédente séance? Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur le conseiller Guévard et puis madame la conseillère Petit-Jean. Alors oui, à l'objet 3, budget participatif, donc au quatrième amendement,
Justement, Madame Petitjean est reprise aussi bien dans les votes pour que dans les votes contre. Je pense qu'elle a voté contre et donc elle figure de manière erronée dans les pour. Et alors, objet 7, patrimoine, vente du terrain, fosse Albeck, et l'objet 14, dans les délibérés, Albeck est orthographié en deux mots, donc c'est Al-Beck, lorsqu'on parle du projet maillage vert et bleu, donc il faudrait peut-être harmoniser les orthographes. Merci. Merci beaucoup. Anne-Françoise. Merci. Pour l'objet numéro 4, règlement du budget participatif PCDR, Madame de Dobeler avait formulé la demande que les dates soient adaptées au budget participatif, que les calendriers soient mis en parallèle. Or, dans la délibération, ça ne figure pas. Et dans les documents, le calendrier est resté tel quel. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter dans la délibération donc grille d'évaluation, formulaire de candidature en travaillant à partir du même calendrier que celui du budget participatif. Étant donné que nous, on a voté le point à condition que les deux calendriers soient associés. Parce que si on s'en réfère aux documents, les projets doivent être rentrés vendredi, ce qui est un peu court. Merci. OK. La délibération va être modifiée. Donc le PV qui la modifie, et donc il y aura un amendement dans la délibération. Merci. Et on me dit dans l'oreillette que c'est corrigé déjà sur le site internet. Voilà. J'ai été voir la délibération et les documents, mais je n'ai pas été jusqu'au site internet. OK. Pas d'autres remarques ? Est-ce que dès lors on peut passer à l'approbation ? On s'entend mieux, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui. On peut passer donc à l'approbation moyennant ces deux remarques. Oui, merci beaucoup. Donc je vous propose qu'on passe effectivement au point numéro 7 de notre ordre du jour relatif donc à la fermeture de l'implantation de Petit Reu. Et donc je vais recéder la parole à l'échevine de l'enseignement, Ludivine Papleux. Donc voilà, comme vous le savez, notre ville a dû faire des travaux budgétaires, des travaux d'économie. Pour ce faire, elle a réalisé un plan de gestion qui concerne les années de 2023 à 2027. Et c'est un plan de gestion qui comprend bien entendu des mesures concernant les différents services communaux et les ASBL paracommunales. Donc les efforts sont à faire partout, y compris donc au niveau des écoles. Ce plan a été voté au Conseil communal du 19 décembre 2022. Et une mesure de principe, c'est la fermeture de l'implantation de Petit Reu. Notre ville est accompagnée par le CRAC, qui est le Centre Régional d'Aide aux Communes, qui nous impose de respecter des balises d'investissement et qui nous impose aussi de réaliser des projets qui concernent l'intérêt général de la population, c'est-à-dire de nos 22 000 habitants. Vous voyez ici le tableau avec les chiffres à Petit Reu, donc vous voyez que les chiffres sont en déclin. En 2022 et en 2023, nous avons 8 élèves à Petit Reu et 6 qui viennent de Braine-le-Comte. Alors vous voyez le chiffre de 13 qui est repris au 16 janvier, c'est parce qu'en fait un enfant est arrivé à l'école en janvier et donc il n'avait pas les 8 demi-jours de présence requis pour avoir donc être comptabilisé par la communauté française. Donc il y en a 14 en présentiel, mais 13 au niveau du comptage de la communauté française. Le graphique suivant est éloquent, donc au niveau du déclin de la population scolaire à l'école de Petit Reu. Des travaux ont été réalisés à Petit Reu, donc notamment une nouvelle classe, le démontage de la cheminée, la création d'un préau pour un montant d'environ 55 000 euros. Et malgré les travaux réalisés, malheureusement, il n'y a pas eu d'accroissement de la population d'élèves. L'école est en sursis, comme je le disais juste avant. Donc il y avait 12 élèves au 30 septembre 2022 et 14 au 16 janvier 2023. Et le sursis est possible 2 années consécutives. Et ensuite, c'est une fermeture d'office. Je confirme bien sûr le sursis, puisque nous avons reçu une dépêche de la communauté française. Une analyse démographique a été réalisée par notre directeur général. C'est donc une projection des naissances de 2024 à 2030, et on peut constater que le nombre d'enfants n'évoluera pas, voire même sera en diminution. Et donc le maintien d'une structure aussi coûteuse pour si peu d'élèves est complètement déraisonnable.
pas de nouveaux projets immobiliers dans le village, comme je le disais aussi juste avant, donc pas d'accroissement de la population. Le collège avait commandé en 2021 une étude auprès d'un bureau d'études, le bureau YTech. Notre conseiller en énergie a d'ailleurs travaillé aussi sur ce dossier. La crise énergétique, vous le savez, elle nous impacte tous, y compris les écoles, et les coûts des énergies sont en augmentation. Donc le bureau d'études a préconisé soit une rénovation lourde ou encore une délocalisation, et la mise en conformité représenterait environ 530 000 euros hors TVA d'investissement, moyennant comprise donc une augmentation de 30% des coûts des matériaux depuis 2021, comme l'a annoncé le bureau YTech. L'étude ainsi que la mesure de fermeture de l'école ont été présentées en conseil de participation le 7 février 2023. Conseil de participation qui comprend des politiques, la direction de l'école, des enseignants, des parents, le PMS, les acteurs du milieu socioculturel et la SBL Récréabrenne. Alors, donc, comme notre bourgmestre l'a dit, c'est une école, c'est Steinkerck, avec deux implantations, Petit Reux et Steinkerck, qui sont situées à 2,7 km de distance, donc ce n'est pas très loin, avec en plus un bus tech qui est pris en charge financièrement par la ville et qui permet d'acheminer des enfants donc de Braine-le-Comte vers Petit Reux ou encore vers Steinkerck, ce qui n'est pas logique parce que normalement, l'idéal, c'est d'avoir bien sûr des enfants du village qui viennent dans l'école du village et pas de devoir payer un bus pour les acheminer. Donc le bus représente un montant d'environ 36 000 euros et l'accompagnatrice qui est prise en charge par la SBL Récréabrenne, environ 4 000 euros, comprenant également son abonnement. Les parents, eux, ne payent rien, c'est la ville, bien sûr, qui finance le bus. Voici un tableau pour les chiffres scolaires à Steinkerck. Donc ils sont aussi en déclin, donc il y a une perte d'élèves. Mais cependant, la qualité des portes ouvertes nous laisse à penser qu'on aura quand même quelques inscriptions qui permettront de résorber un peu la situation. Portes ouvertes qui ont été un réel succès, et c'est le fruit surtout d'un travail d'équipe, de la direction, de l'équipe enseignante et de l'association des parents et de tous les acteurs qui ont gravité autour des portes ouvertes. Alors, notre volonté, c'est de consolider l'implantation de Steinkerck pour pouvoir y accueillir les potentiels élèves de Petit Reux. Donc, nous avons déjà quelques estimations. Nous savons que certains élèves de Petit Reux viendront à Steinkerck, d'autres pas, et certains parents sont encore en réflexion. Nous aurons une nouvelle classe avec le percement d'un mur et des portes coulissantes pour un montant de 20 000 euros. Des modules version premium au niveau des performances énergétiques qui comprennent trois classes et un espace sanitaire pour un montant de 342 380 euros. Un nouveau parking qui va débuter au mois de mai pour 247 173 euros. Il comprendra 39 places, 30 places normales, 6 places Kissen Ride et 3 PMR. Et il y aura aussi un espace potager pour pouvoir réaliser des projets pédagogiques et deux bulles à verre enterrées qui y seront également placées. Le Wi-Fi sera implanté dans toutes nos écoles communales pour un montant total de 35 000 euros. Wi-Fi qui permettra de répondre aux objectifs des plans de pilotage et qui permettra également d'utiliser le matériel numérique qui a été obtenu dans le cadre de divers appels à projets. Les enseignantes volontaires ont été associées à une réunion de travail avec le service des travaux, notre directeur général et la direction de l'école pour envisager les travaux d'aménagement et de déménagement. Donc elles ont vraiment pu faire part de leur desiderata. Et ces travaux, le parking, je ne sais pas, mais en tout cas les autres travaux seront réalisés pour la rentrée scolaire le 28 août 2023. Alors, concernant les parents, donc, comme je le disais, le plan de gestion a été voté au Conseil communal le 19 décembre 2022. Les parents ont été informés par un courrier officiel du collège le 20 décembre 2022 concernant la potentielle fermeture de l'école. Nous n'aurions pas pu réagir avant dans la mesure où, comme il a été voté le 19 décembre, nous ne pouvions pas mettre non plus la charrue avant les bœufs. Et donc nous n'avons eu aucune réaction à ce courrier, sauf une rencontre, comme je le disais tout à l'heure, avec l'association des parents le 30 mars. Et lors de cette réunion, nous avons vraiment pu discuter et nous avons une volonté de collaboration et de communiquer ensemble des deux côtés. La communication envers les enseignantes. Donc, nous avons deux enseignantes à Petit Reux, une enseignante communauté française et une enseignante en heure PO. Heure PO, ça veut dire des heures à charge de la ville. Donc 26 périodes sont prises en charge par la ville. Il faut savoir que c'est un budget de 194 000 euros par an qui est prévu pour les heures PO. Donc ce n'est quand même pas un montant négligeable. Ces heures qui permettent d'avoir un meilleur confort et une meilleure qualité des apprentissages et d'éviter aussi des classes bondées.
Il faut savoir aussi qu'on octroie des heures PO pour la direction de l'école afin qu'elle puisse faire son job de directrice à temps plein et ne doive pas redevenir enseignante en classe. Donc voilà, le professionnalisme et la qualité de l'enseignement dispensé ne sont aucunement remis en question. Bien au contraire, nous savons que ce sont deux excellentes enseignantes. Et notre directeur général, le 20 décembre, est allé à la rencontre de l'équipe éducative de Saint-Quercq-Petit-Reux, justement pour expliquer les tenants et aboutissants du dossier et pour écouter les ressentis, parce que malheureusement, il y avait eu un article de presse qui avait été publié et qui a mis le feu aux poudres, alors que nous voulions agir correctement et faire les réunions en temps et en heure. Les enseignantes ne perdront bien évidemment pas leur emploi. Les enseignantes seront réaffectées dans nos écoles communales, donc dans les écoles du PO. Elles étaient déjà au courant qu'une fermeture risquait d'arriver, puisque chaque année, en fait, on parle de la fermeture de Petit-Reux, sauf que jusqu'ici, elle n'avait jamais eu lieu. Mais le déclin de la population scolaire fait qu'à un moment, il n'y a plus vraiment d'autres solutions non plus. Les syndicats ont remis un avis positif lors de la COPALOC du 28 mars, dans la mesure où il n'y a aucune perte d'emploi. Les enseignantes seront réaffectées en tenant compte de leur fonds 12, donc c'est-à-dire de l'endroit où elles sont nommées, tout en respectant la légalité, comme cela a été décidé avec les syndicats, et que le traitement soit équitable pour tout le monde. Alors il y a encore une enseignante pour laquelle on ne sait pas exactement dans quelle école elle ira ou si elle fera deux implantations, mais ça dépend du nombre d'élèves qui seront bien évidemment inscrits pour la rentrée scolaire, donc on ne peut pas définir cela maintenant, mais en tout cas, elle sera réaffectée d'office, puisque nous savons déjà que nous aurons des mi-temps thérapeutiques et que nous aurons aussi des 4-5e temps. Voilà. Nous avons rencontré aussi les enseignantes qui sont impactées, donc le 17 et le 20 avril, avec le service enseignement et les directions d'école et moi-même, pour leur expliquer vraiment la situation. Et donc la qualité de vie, donc grâce aux travaux qui vont être réalisés, ce seront de meilleures infrastructures qui seront mises en place à l'école de Saint-Quercq, une meilleure sécurité aussi puisque les modules devenaient quand même dangereux. L'ASBL Récréabrenne pourra très certainement mettre du personnel à disposition supplémentaire au niveau de l'école de Saint-Quercq puisqu'il ne faudra plus en affecter à l'école de Petit-Reux, ce qui est très important je pense pour les temps de midi. C'est une seule direction d'école, à la fois pour Petit-Reux et pour Saint-Quercq. C'est aussi le même projet d'établissement et le plan de pilotage identique. Donc il y a une cohérence pédagogique. C'est aussi un seul conseil de participation, une seule association des parents. L'école de Saint-Quercq accorde une grande attention aux enfants à besoins spécifiques. Il y a des aménagements qui sont réalisés en fonction. La ruralité est bien sûr au cœur du village de Saint-Quercq, puisque voilà, on a la chance, grâce à une enseignante, d'avoir un accès à un petit bois où des activités peuvent avoir lieu. Le rythme et les besoins de l'enfant sont respectés. L'enfant est pris dans son individualité, bien entendu. Et nous espérons, par toutes les mesures envisagées, arriver au bien-être de tous les acteurs scolaires. Donc ce soir, en ce qui concerne la suite de la procédure, donc nous devons prendre une décision qui sera ensuite transmise à la ministre de l'Enseignement, qui devra alors décider de ce que l'on va faire. Et donc, soit la fermeture aura lieu au 1er septembre ou au 1er octobre. A priori, ce serait possible pour le 1er septembre, puisque nous sommes tout à fait dans les temps pour la prise de décision. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Léchine de l'enseignement. Juste peut-être une précision sur la COPALOC. Donc la COPALOC, c'est la commission paritaire locale. C'est vrai qu'il y a les syndicats qui sont autour de la table, mais il y a le PO aussi qui est autour de la table, et l'ensemble des parties du conseil communal sont représentées autour de la table de la COPALOC, et c'est la COPALOC dans son entièreté qui remet un avis, et l'avis était unanime sur l'autorisation donc de fermeture. Je crois que c'est important de le signaler. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, monsieur le conseiller de Smet, monsieur le conseiller Berthaud? Je t'en prie, Guy. On va commencer par toi. Oui. Tout d'abord, donc, comme ce sont des implantations et pas des écoles, c'est vrai que la distance pour être considérée comme une implantation isolée, c'est 2 km. Les écoles, c'est 3 km. Enfin, 3 km densité de population. Mais donc, dans le cas présent, comme on a plus de 2 km de grille à grille, vu que c'est comme ça qu'on comptabilise, ce critère ne peut pas être tenu. On ne peut pas en tenir compte. Bon, alors, d'un niveau sociologique, je crois qu'il est important de garder une école au sein d'un village, car en fait depuis la fusion des communes,
l'école du village reste souvent un lien social important, voire le seul lien social administratif, disons, qui subsiste. Il n'y a plus de maison communale, bien souvent même toute une série de services ont disparu, comme les mutuelles, etc. Alors, vous annoncez que 6 élèves viennent de Braine-le-Comte Centre, si j'ai bien compris, c'est ça, hein ? Oui. Voilà. Maintenant, le transfert, et vous l'avez cité dans votre exposé, le transfert des 13-14 élèves de Petit-Reux ne s'effectuera certainement pas directement vers Steinkerque. Donc, je crois qu'on n'aura pas nécessairement plus 14 au 1er septembre à Steinkerque. Oui, oui, mais enfin, bon. Alors, vous avez signalé que des travaux seront envisagés pour permettre l'accueil de nouveaux élèves, d'agrandir un peu l'école de Steinkerque. Vous avez donné le coût, donc je m'étais proposé m'interroger sur le coût de cette transformation, mais est-on sûr que pour le 1er septembre ce sera fait, quand on voit la durée des travaux qu'il faut effectuer, enfin les démarches préalables avant de commencer les travaux. Nous sommes, je vais dire, au 1er mai, dans 3 mois, 4 mois ou plus tard, les classes doivent être aménagées. Alors, d'autre part, le bâtiment de l'école de Steinkerque, de Petit-Reux, pardon, de l'école de Petit-Reux, ben, c'est du patrimoine communal. Nos craintes, c'est que si ce bâtiment n'est pas occupé, ben, il risque de vite se dégrader. Alors, y a-t-il un projet pour ce bâtiment de l'école, le bâtiment qui est aujourd'hui l'école? Nous avons un peu peur de nous retrouver dans la même situation que ce qu'on a vécu avec la maison communale, l'ancienne maison communale des Nuyères, où ben, au fur et à mesure, ça se dégradait. Et ben, voilà, c'est un peu nos craintes à ce niveau-là. D'autre part, la fermeture de l'école risque d'avoir des conséquences pour le personnel enseignant de l'ensemble des écoles maternelles de la ville, parce que nous sommes le même PO. Bien, ça ne veut pas dire que les deux enseignantes qui perdent leur emploi à Petit-Reux vont perdre leur emploi. Elles seront bien sûr en priorité en fonction de leur priorité. Elles seront réaffectées dans d'autres écoles communales. Mais ça veut aussi dire que par conséquence, des enseignantes plus jeunes, ou je dis enseignantes parce que généralement dans le maternel ce sont des enseignantes, mais enfin les enseignants plus jeunes, risquent aussi de se voir reculer dans les priorités, parce que globalement de 2 classes, on va passer à 1, voire 0 classe supplémentaire. Donc, manifestement, les 2 dernières personnes dans les listes de prioritaires vont reculer, sans protection, elles. Sans protection de réaffectation, sans possibilité de réaffectation, parce que si elles sont prioritaires, ça veut dire qu'elles sont temporaires et n'ont pas droit à la réaffectation. Donc, ça, c'est un élément. N'y a-t-il pas d'autres solutions? Bon, le centre neuf, des conteneurs au même titre qu'on a en Ripon ou qu'on installe à Steinkerque,
pour maintenir une implantation sur le centre-ville. Mais bon. Alors, cette rationalisation aura naturellement des conséquences quant au nombre d'enfants par classe. Automatiquement, même si on a 60-80% de la population scolaire actuelle de Petit-Reux qui se dirige vers Saint-Kerc, d'office à Saint-Kerc, le nombre d'enfants en maternelle par classe va augmenter. Et donc, le confort pédagogique à la fois des enfants et des enseignants sera impacté. Donc, je sais bien qu'on va nous dire, oui, mais vous revenez toujours sur les aspects financiers en disant que ça coûte cher, mais on a l'impression que cet aspect financier a guidé les choix et on n'a pas visé... des projets pédagogiques spécifiques, alors que Petit-Reux, tout comme Henri-Pont, tout comme Saint-Kerc, pour prendre les trois petites anciennes entités, ont la spécificité de pouvoir jouer sur le fait que c'est une école à la campagne et une école du village où l'aspect humain peut être renforcé. Voilà. Merci, monsieur le conseiller de Smets. Je vais laisser les chevines de l'enseignement répondre aux quelques questions. Voilà, donc pour les 14 élèves d'un coup qui viendraient à Saint-Kerc, non, ce n'est pas en tout cas dans les prévisions. Maintenant, peut-être que les portes ouvertes vont permettre d'avoir un certain nombre d'élèves supplémentaires qui vont arriver en maternelle également. Mais ça, je ne peux pas te le dire à l'heure actuelle, bien entendu. Les travaux seront bien réalisés pour la rentrée scolaire du 28 août et les modules sont prévus, je pense, la semaine du 17 août, si mes souvenirs sont bons. Donc, je peux t'assurer que tout sera réalisé pour la rentrée scolaire du 28 août. Concernant le bâtiment donc, de l'école, nous avons déjà reçu une proposition, voire deux, d'achat. Mais bon, on n'a pas encore du tout travaillé ce dossier dans la mesure où là, on n'en est qu'aux prémices. Donc, voilà. Mais on a déjà reçu des propositions. Concernant le personnel enseignant, donc on a rencontré, bien sûr, je ne peux pas citer de nom, mais les enseignantes qui sont concernées par les modifications qui vont avoir lieu, et on leur a expliqué la situation. Donc, il n'y a pas de souci, en tout cas, pour les nommer les temporaires prioritaires. Donc, là, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Voilà, je pense que pour l'aspect financier, je vais peut-être alors céder la parole... Oui, il y avait juste aussi le lien administratif, école représente ce lien administratif dans le village. Donc, c'est vrai qu'on a la mémoire très courte, mais ici même, au conseil communal, on a voté, mais il y a très longtemps, donc c'est une autre équipe, la création du centre neuf, justement, qui est une ancienne cure que la ville a rachetée, que la ville a aménagée, donc avec l'aide d'ailleurs de la Ligue des familles. Il y a des locaux à l'étage, il y a des locaux au rez-de-chaussée. Derrière, il y a une aire de jeu, il y a des terrains de pétanque, et ça, c'est vérité. Et c'est là qu'on vote, d'ailleurs, pour le lien administratif. Donc, ce lien, il existe dans ce village de 700 habitants. Donc, je veux dire, quand j'entends aussi que parce que l'école, avec ses 14 élèves, si on ferme cette implantation, on va tuer la vie du village, il y a une vie dans le village. Et ce serait insulter toutes les associations, en ce y compris le plan de cohésion sociale, qui travaille sur la cité Champ-de-l'Ange. Il y a une brocante, d'ailleurs, bientôt, qui se fait dans cette cité. Il y a une vraie vie. Et donc, n'insultons pas toutes ces personnes qui se battent en disant que rien n'existe. Il y a même eu un petit marché, à un moment donné, sur la place du village. Donc, sur le lien administratif, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et sur l'aspect des budgets, c'est parce qu'on ne peut pas refaire des replays. Mais quand on est venu avec des budgets, c'est vrai, assez importants et colossaux pour l'école de Steinkerk à l'époque, pour l'école de Ronquière actuellement, qui on a entendu se dresser contre ces budgets et qui nous parlait de finances avant de parler de projets pédagogiques et qui nous parlait de finances avant de nous parler de qualité de vie, de sécurité des enfants et consorts. C'était vous. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir un double discours. C'est évidemment facile, quand on est dans l'opposition, une soirée comme aujourd'hui, de prendre une posture d'opposition, c'est le cas de le dire, et de se dire « Oh, ouf, qu'ils le fassent eux-mêmes, pas nous ». Mais il faut alors garder le même discours quand, effectivement, on met 2 millions d'euros sur la table pour rénover Ronquière. Et que là, on a... il ne faut pas de finances pour Ronquière. Donc voilà, c'est important, à un moment donné aussi, d'être clair, je pense qu'on le mérite tous.
Monsieur le conseiller Berthaud, et puis ensuite monsieur le conseiller Flahaut, monsieur le conseiller Decamp. Là, j'aimerais que mon intervention soit notée et je vous enverrai le texte. La fermeture d'une école ou d'une implantation est un acte administratif dans un premier temps, mais aussi un acte politique dans un second temps. Acte politique important car il concerne des enfants, leurs familles, les enseignants, du personnel technique et ouvrier et, dans le cas présent, la population d'un village. C'est donc un acte politique difficile et délicat dont il faut mesurer l'importance avant de voter. Le premier argument avancé pour fermer l'école sont les normes définies par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont ce qu'elles sont et nous n'en disconvenons pas. Toutefois, nous estimons qu'il est prématuré de prendre cette décision aujourd'hui pour les raisons suivantes. Comme vous le dites dans la note de travail 23-03-23, la décision peut être prise n'importe quand et la fermeture doit avoir lieu, si la norme des 100% n'est pas acquise, entre le 1er septembre et le 1er octobre 2023. Le collectif des parents remue ciel et terre pour mettre en lumière cette implantation et d'après les échos reçus, des parents brennois seraient intéressés d'inscrire leur enfant dans cette implantation qui permet aux enfants d'entrer dans le monde scolaire en douceur. Faites-leur confiance, s'il vous plaît. La deuxième motivation pour la fermeture est d'ordre budgétaire. Peut-être y accordons-nous trop d'importance ce jour. Dans les arguments pour le maintien de l'école, les caractéristiques de l'école de Petit-Reux sont qu'elle joue un rôle important dans l'éducation des enfants et des jeunes du village, en fournissant des connaissances et des compétences essentielles pour leur avenir. La chance de cette implantation est d'être à taille très humaine et d'accueillir uniquement les élèves de maternelle, ce qui permet aux enfants qui la fréquentent de ne pas être trop sous pression. De plus, ce sont des enfants d'âge maternel qui nécessitent plus que d'autres d'être priorisés. Le rôle de cette implantation au sein du village est d'être un lieu de rassemblement pour les citoyens du coin où les enfants peuvent développer leur socialisation en créant des liens intergénérationnels avec les habitants du village. Les rires et les cris des enfants dans la cour de récréation mettent de la vie dans le village. Concrètement, nous demandons de sursoir la décision de cette fermeture éventuelle au conseil communal de septembre, lorsque nous aurons la certitude qu'il n'y a pas le nombre requis d'enfants pour pérenniser l'ouverture de cette implantation. C'est pourquoi, si notre proposition est refusée, Écolo ne votera pas aujourd'hui la fermeture de cette implantation. Merci. Monsieur le conseiller, cher Eric, je pèse mes mots depuis tout à l'heure parce que nous étions en copaloc ici même, dans cette même salle. Et tu étais présent, contrairement à d'autres qui en sont membres et qui n'étaient pas là. Et tu as, donc je l'ai dit tout à l'heure, la copaloc, à l'unanimité, a remis un avis favorable. Pourquoi ce changement en un mois ? Alors, je ne change pas. Je dis bien au début que pour des raisons administratives, on ne disconvient pas. Mais de pourquoi alors la copaloc, par ta voix, n'a pas demandé à sursoir ? C'est vrai que ça n'a pas été mon premier réflexe. Ça, je le reconnais. C'est décevant. Mais bon, voilà. Merci pour cette position. Monsieur le conseiller Flahaut, puis monsieur le conseiller Decamp. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre, madame l'échevine de l'enseignement. Je tiens à remercier aussi l'initiateur de la pétition et du comité pour l'interpellation, parce qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement important. J'ai la chance ou la malchance d'être le doyen, pas le plus âgé, n'est-ce pas, Christiane, mais le doyen du conseil communal, puisque ça fait 40 ans que je siège dans ce conseil communal et que nous avons toujours, toujours donné, tout parti confondu, la priorité, presque en tout cas, nous avons toujours donné la priorité à l'enseignement de nos villages, de nos quartiers. Au point que, d'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, quand le groupe Écolo n'était représenté que par un seul conseiller communal, qui a vitupéré gravement, lourdement, sur le projet d'université de Steinkerque. Parce qu'ils trouvaient que c'était l'argent jeté par la fenêtre de consacrer autant de moyens pour une école de village. Eh bien, nous, on l'a assumé fièrement,
parce qu'effectivement, comme ça a été dit par toute une série, le fait d'avoir des écoles de proximité est extrêmement important. Même si parfois on peut s'interroger, parce qu'avoir dans des écoles de village des enfants qui viennent de Braine-le-Comte-Centre, ça ne correspond pas exactement à l'école de proximité. L'objectif, ce serait qu'à l'école de Steinkerque, ce soit surtout des enfants de Steinkerque, à l'école de Petit-Reux, des enfants surtout de Petit-Reux. Alors, effectivement, on a 8 enfants de Petit-Reux sur 14. Et vous avez vu les chiffres donnés par Ludivine tout à l'heure. On est allé jusqu'à 26 enfants à l'école de Petit-Reux. Donc, on est à la moitié, à peu près, de l'effectif. Alors que le village de Petit-Reux n'est pas le plus petit village en population de la ville, puisque Steinkerque et Henri-Pont sont plus petits que Petit-Reux. Et eux ont des écoles qui tournent beaucoup plus. Donc, il y a un problème de fond, de base, qui se pose depuis quelques années. Je rappelle qu'à Braine-le-Comte-Centre, on a aussi, là je m'adresse à M. Léchevin-Fiévet, on a aussi à terme un projet de créer une école qui soit, la localisation n'est pas définie, mais qui soit à l'orée de la ville, donc qui corresponde à cette mentalité, cet objectif d'école de proximité. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans l'enseignement qui n'est pas communal, je pense à l'école du Bois à l'avenue de la Houssière, où on va d'ailleurs bientôt inaugurer de nouveaux espaces pour les... Comment ? C'est fait, voilà. C'est encore mieux quand c'est déjà fait. Ce n'est pas un projet. Et donc, dans ce contexte, c'est important de voir que cette école de village à Braine-le-Comte, elle accueille 85 enfants. 85 enfants. Donc, c'est dire qu'on est très déçu. Et on est d'autant plus déçu, et on l'assume, qu'on a investi beaucoup dans l'école de Petit-Reux en termes de, par exemple, de salaire. Chaque année, nous prenons en charge un salaire année pleine d'une enseignante qui, avec les charges patronales, doit se situer autour de 40 à 50 000 euros, certainement. Et nous le faisons depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, vous multipliez. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des investissements. Il y a même des transformations qui ont été faites dans ce bâtiment. Certes, c'est toujours un ancien bâtiment, mais je crois qu'on y a consacré des moyens. L'idéal, évidemment, ce serait de pouvoir imaginer un nouveau bâtiment situé totalement au milieu de la ruralité et pas au centre de... Mais le problème, vous savez bien, pour pouvoir construire une école aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et l'État dans lequel se trouve la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'instant fait en sorte qu'on va plutôt vers la restriction des projets que vers l'augmentation des projets. On l'a vu puisqu'on a un autre projet pour Ronquière d'ailleurs, et c'est pas toujours évident de le faire avancer. Et donc, dans ce sens, je pense que tout le Conseil communal, depuis des dizaines d'années, investit pour Petit-Reux. C'est vraiment on en arrive à cette situation. Moi, ça me fend le cœur parce qu'effectivement, Guy l'a dit, l'école, c'est souvent un point important pour la vie de la communauté, en l'occurrence villageoise, ici. Mais d'un autre côté, la proposition de Guy d'utiliser la maison de quartier qu'on appelle le centre neuf, à cet usage, moi, je ne suis pas du tout d'accord. On était tellement fiers d'avoir consacré aussi des sommes importantes pour qu'il y ait une maison de quartier qui serve d'animation pour les habitants de Petit-Reux. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'activités qui s'y donnent. Et donc, ce serait dommage de déshabiller Paul pour habiller Pierre.
Donc là, je pense que ce n'est vraiment pas la solution à ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Merci beaucoup, monsieur le conseiller Flaou. Monsieur le conseiller Decan. Merci, monsieur le bourgmestre. Moi, je voulais simplement donner mon avis sur une situation quand même assez regrettable au niveau de la COPALOC. En relisant le PV de notre dernière commission, donc qui date d'il y a moins d'un mois, la plupart des réponses posées par le groupe Ensemble se trouvent déjà. Donc les questions ont été posées, une partie des réponses sont déjà dans le PV. Et c'est là que je trouve regrettable, je trouve surtout regrettable, c'est le manque d'engagement du groupe Ensemble dans cette commission paritaire locale. Voilà. Sinon, on aurait déjà eu des réponses, mais ils ne sont pas souvent présents de ce qu'on peut constater dans les PV. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la conseillère Mwamba, monsieur le conseiller Brancard et monsieur l'échevin Olivier Fievé. Et monsieur... attendez, je note. Voilà. Agnès. Moi, je voudrais d'abord dire à toutes ces personnes qui sont arrivées que, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de voir une telle mobilisation citoyenne. C'est vraiment très, très bien, très chouette. Alors, j'ai vraiment envie de vous dire que on a expliqué pas mal de choses, côté politique, côté économique. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire côté terre à terre. Une école, 12, même 14, 16 enfants... Il y a une qualité de vie, c'est très bien, c'est vrai. Mais la réalité financière, elle est affreuse. Moi, excusez-moi, quand je vois qu'il y a des endroits où il y a des écoles de 90, 80, vous allez me dire avec raison, écoutez, ici, ce n'est pas l'Afrique, c'est l'Europe, et on a le droit d'avoir une qualité de vie, 4, 5 élèves. Mais nous sommes une ville déjà très accueillante et qui a une vocation un peu éducative. Il faut qu'on continue à maintenir cette qualité de Braine-le-Comte, qui est quand même, parce que là, je trouve que c'est comme si on n'a pas fait attention à ça, une équipe, parce que là, c'est une équipe qui essaie toujours de travailler ensemble, qui sont toujours d'accord, hein, en général, même si parfois il y a des politiques différentes, c'est juste. Mais n'empêche, il y a une mobilisation terrible pour la recherche des subsides. Je crois que là, peut-être qu'on n'avait pas bien saisi. Seulement, il y a des exigences dans les subsides qui nécessitent un grand travail. Et que pour réussir, il faut parfois qu'il y ait du bénévolat. Donc là, je crois que c'est important. Mais je voudrais surtout que vous reteniez qu'il y a eu des discussions, des tristesses. Si vous avez entendu des sursis, mais ça veut dire qu'on a toujours essayé de trouver un moyen de rajouter. Mais à un moment donné, les finances ne suivent plus. Vous voyez, je crois que ça, c'est important de tenir compte. Donc là, pour moi, c'est surtout une question de bon sens. On pourrait vous dire peut-être attendons, essayons de sursoir. Non, moi j'ai plutôt à vous dire, mettez votre dynamisme peut-être pour essayer de créer des choses qui peuvent peut-être à l'avenir continuer à améliorer la qualité de vie du village. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, félicitations pour votre mobilisation. Monsieur le conseiller Brancard, puis monsieur l'échevin Fievé. Oui, merci monsieur le bourgmestre. Beaucoup de choses ont été dites. Donc, je vais essayer de ne pas faire de double emploi. Mais enfin, ce qui m'étonne d'abord, c'est tout d'abord une petite réaction, excusez-moi, politique de notre groupe, c'est nous sommes du même avis que monsieur le conseiller Christophe Descamps. Nous ne comprenons pas des positions qui étaient prises à la COPALOC et qui, ici, devant un public, en séance publique, sont modifiés, comme je peux comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien, je comprends très bien, mais très bien, les citoyens, c'est sûr. Pour avoir vécu pendant plus de 30 ans à côté d'une école, et pour ne pas la citer, c'est celle d'Henri. Voilà, j'ai amené à déménager pour d'autres raisons, mais ça manque, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vous comprends très bien. Maintenant, encore une fois, comme tout ce qui a été dit précédemment, il y a des réalités auxquelles qu'on ne peut pas éviter. Maintenant, je pense que les discours que vous entendez, eh bien, ça doit quelque part vous rassurer, quoi. Même si, effectivement, on a fermé cette école,
mais quelque part, ça doit vous rassurer. Il y a eu des situations bien plus graves en matière mais, allez, d'ailleurs, vous avez bien reconnu la qualité de l'enseignement de Steinkerck. C'est à 2 km de chez. Allons. Écoutez, moi, je me souviens. Enfin, bon, je sais bien qu'on ne vit plus à la même époque. Hein, je suis entièrement d'accord. Hein, mais je me souviens que moi, j'habitais à Nuyer, j'allais à l'école communale de Virginal. Et voilà, et on faisait même le trajet à pied, quoi. Hein, bon, voilà, parce que ça faisait partie de nos plaisirs, etc. etc. Parce que maintenant, on parle donc de la vie, comment vais-je dire, à la campagne, etc. Voilà, donc, enfin, il y a un tas de choses. Et en plus, Petit-Rieux, ce n'est pas parce que l'école n'existera plus à Petit-Rieux que Petit-Rieux va devenir un village mort. Parce que là, franchement, et j'espère que vous en êtes conscient, c'est qu'il y a quand même, vous avez là le centre neuf, avec ses activités, et surtout le champ de l'Anche, où énormément d'activités se passent. Malheureusement, quand ils se sont déjà plaints, quand il y a des activités, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, bon, voilà. Mais il y a quand même des réalités. Et en plus, le bus avec accompagnateur ou accompagnatrice sera toujours d'actualité et ce sera toujours donc à charge de la commune. Donc voilà. Mais je vous comprends, hein, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Peut-être qu'on aurait dû attendre, peut-être, si on avait attendu le sursis et que ce soit fermé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'office, ça serait peut-être mieux passé. Je ne sais pas. Mais il y a des réalités quand même pour notre commune. Voilà. Excusez-moi d'avoir été long. Merci, monsieur le conseiller. Malheureusement, on ne peut pas interagir. Je suis désolé. Monsieur l'échevin Fiévé. Je suis désolé, mais on ne peut pas interagir. Je suis vraiment désolé. Mais oui, je sais, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas vous donner la parole. Je suis désolé, c'est le règlement qui est comme ça et c'est la Wallonie qui l'exige et ce n'est pas nous ici, les conseillers communaux. Et malheureusement, je ne peux pas vous répondre non plus, monsieur. Mais je suis à vous rencontrer. Enfin, bon, voilà. Évidemment, parler comme ça, c'est une petite redite. Mais simplement, je voulais, pour être sûr qu'il n'y ait pas méprise, donc effectivement, Jean-Jacques disait tout à l'heure et m'interpellait. Donc, moi, j'ai toujours été partisan d'une école aussi en centre-ville, et ça n'a rien à voir avec le dossier ici. Ce n'est pas parce que il y a une implantation qui pourrait fermer que c'est au profit de l'ouverture d'une autre en centre-ville. Ça n'a vraiment rien à voir. Simplement, c'est une logique. Dans une ville comme Braine-le-Comte, le cœur de la ville mérite pour moi aussi une implantation d'une école communale. Mais ça, voilà, c'est un avis qui n'engage que moi et je ne suis pas non plus un acteur de l'enseignement à proprement parler. Mais n'empêche que ça appelle réflexion et il n'y a pas vraiment de dossier très clair. Par rapport à la situation de Petit-Rieux, oui, alors je vais le redire, mais parce que moi, ça m'énerve, je suis désolé. Pourtant le conseiller Berthoud, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais j'ai du mal avec la double attitude. Quand on a une attitude... assumer un mandat politique, c'est aussi à un moment donné être conséquent avec soi-même. Et quand on a une attitude dans un comité à huis clos, j'ai du mal à me dire que quand il y a un auditoire, on a une attitude différente. Enfin, moi, ce n'est pas ma manière de faire la politique. Moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais ça devient comme ça de plus en plus. Voilà, j'imagine que s'il n'y avait pas de pétition, on n'aurait peut-être pas la même attitude. Mais c'est comme ça c'est la vie d'une réalité politique. Et ça me fait d'autant plus mal de le dire que Eric, je l'aime bien. Mais voilà, j'ai du mal avec ça, vraiment. Mais c'est comme ça. Par rapport à Petit-Rieux, moi, je me dis aussi, on a reçu comme mandataire différents citoyens et citoyennes qui avaient des idées aussi pour un projet pédagogique qui peuvent être intéressantes. Mais alors, je me dis, pourquoi ne pas mettre toute cette énergie aussi dans cette réalité de l'implantation de Steinkerck qui a et qui mérite aussi son développement. Je pense qu'il y a des tas d'énergie. On est à 2,7 km. Enfin, je
je peux parler de ma situation personnelle. Moi, je suis né à Braine-le-Comte. J'étais à l'école dans le centre-ville et je faisais plus de 3 km pour aller à l'école. Et donc, ça, c'est quand même pas non plus dramatique à l'heure actuelle. D'autant que, en termes d'aberration, parce que là, on peut parler d'aberration en termes de développement durable, on maintient quand même une navette qui fait le centre-ville et qui va desservir les différents villages. Et on le maintient pour justement garder aussi cette qualité cette pérégrination, enfin cette pérennité, pardon, d'une implantation qui soit plus rurale, en l'occurrence celle de Steinkerque. Donc, il y a des conditions qui sont mises. Maintenant, c'est un acte qui se fait. Et moi, je ne me dédie pas par rapport à une prise de position qui a été faite au départ d'avis d'experts. Parce que, je suis désolé, la COPALOC, pour moi, c'est aussi une réunion de gens qui sont experts en matière d'enseignement. Je suis aussi leur avis. Eric, tu es un acteur de l'enseignement, et c'est ton métier. Et donc voilà, tu as pris une décision, j'imagine, aussi, en bonne connaissance de cause. On a reçu l'avis d'YTEC, qui sont aussi, en la matière énergétique, c'est un bureau conseil, donc ce sont des spécialistes. Tous les feux nous annonçaient la prise de décision. Et donc, voilà, on en est là à ce stade-ci. Je ne peux pas dire autre chose, mais surtout, je voulais qu'il n'y ait pas méprise entre l'idée d'une école hypothétique un jour à Braine-le-Comte, centre-ville, et la possible fermeture de Petit Rue. Voilà. Merci, monsieur Léchevin. J'ai encore 3 demandes de parole. Donc, tout dans l'ordre, c'est le conseiller Pierre-André Damas, puis le conseiller Éric Berthaud, et puis la conseillère Nathalie Huynens. Enfin, je laisserai mon collègue. C'est dans l'ordre. Oui. C'est dans le bon ordre. Éric Berthaud répondre réellement sur la COPALOC et le réel sujet de ce qui est discuté dans la COPALOC. On n'est pas en train de discuter nécessairement de... Mets le micro plus près de ta bouche. Okay. Bon. De toute façon, moi, je voulais dire que j'étais déjà très, très partagé. D'un côté, c'est vrai qu'on voit tous les investissements qui sont faits sur les implantations scolaires et nous sommes toujours les premiers à vous en faire le reproche parce que parfois, les montants sont vraiment trop importants. Mais je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné. On a fait des travaux à l'implantation de Petit Rue, ça n'a pas nécessairement été suivi d'effet en termes de fréquentation. Mais quand on voit qu'il y a une menace vis-à-vis de l'implantation, on voit derrière des parents, des habitants qui se mobilisent et qui sont dynamiques. Donc je crois que dans la méthode qu'on a utilisée pour dire on va fermer ça, on a manqué quelque chose qui est la mobilisation des forces citoyennes en présence. Et ça, c'est un reproche qu'on vous fait quand même un peu souvent. Bon. Je me demande si on s'y était pris plus tôt, hein, et c'est peut-être ça que le conseiller Berthaud espère en demandant un sursis et de dire on peut encore mobiliser, on peut encore récupérer des élèves supplémentaires, mais si on s'y était pris plutôt que de cacher le risque de fermeture et de ne pas en parler avant que ce ne soit fait, on aurait pu mobiliser beaucoup plus la population, les parents, les gens, pour augmenter cette fréquentation et pour être sûr que tous les gens, au moins de Petit Rue et des environs, se disent « Oui, mais il faut absolument sauver l'école, il faut que vos enfants viennent à l'école et que le mot passe entre vous. » Alors, moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que la prochaine, ce sera Steinkerque. Il faut qu'on réfléchisse dès maintenant à dynamiser, à avoir des projets éducatifs, avoir des projets éducatifs visibles. Je ne critique pas du tout l'enseignement, mais il faut faire une publicité, il faut rameuter les gens, il faut veiller à ce qu'il y ait une mobilisation autour de sauver nos écoles de village, parce qu'on ne peut pas les laisser se fermer les unes après les autres. Maintenant, quand on regarde le côté purement budgétaire, c'est vrai que ça fait 35 000 euros par élève, et c'est beaucoup. Voilà. Merci, monsieur. Oui. Oui. Okay. Alors, le 28 du 3 à la COPALOC, Stéphane était en voyage scolaire. Voilà. Et il était excusé à la réunion. Donc, merci, monsieur Deschamps, pour votre intervention. Descamps pour votre intervention, mais
Et du coup, on se posait une question, qui est aussi le représentant d'ensemble au conseil de participation? Parce que c'est là qu'on on parle des projets pédagogiques. Au conseil de participation. Parce que c'est là qu'on parle véritablement de, des projets pédagogiques des écoles, c'est dans les conseils de participation. Je vais vérifier. Qui est présidé par Christophe Decamp. Si, vous avez un membre. Et donc, ce serait peut-être intéressant de faire un peu l'état des lieux. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut faire effectivement les grandes envolées lyriques intéressantes et utiles comme celle-ci. Éric Berthaud. Donc, je voudrais éclairer les lanternes de nos camarades Michel et Olivier en rappelant que la COPALOC est un lieu de dialogue entre employeurs et syndicats. Pardon. C'est un lieu où on ne parle nullement du devenir des enfants. Alors, me faire passer pour un tourneux de Kazakh, c'est un peu lourd, parce que je dis bien dans mon intervention qu'aujourd'hui, il est prématuré de voter la fermeture de cette école, puisqu'on a encore le temps, jusqu'au 30 septembre, pour le faire. Laissons la chance aux parents actuels de faire... quitte à aussi à la chance à l'administration, de faire la publicité de cette école pour que, justement, elle puisse se remobiliser et accueillir de nouveaux élèves. Alors, Madame la conseillère Nathalie Huynens. Oui, donc, merci. Même pas un suppléant avec Écolo. Non plus. Nathalie. Donc, moi, je voulais rajouter par rapport à... Je voulais rebondir sur ce que Agnès a dit et sur ce que Jean-Jacques aussi a dit. Donc, en fait, Braine-le-Comte offre un énorme potentiel d'école de tout réseau. Et donc, ici, on parle évidemment de l'enseignement communal de qualité avec tous les investissements qu'on y a fait. Je ne reviens plus là-dessus. Mais pour rétablir l'équilibre par rapport à Jean-Jacques, il existe des implantations de petite taille, de taille humaine, conviviale, dans la campagne, parce qu'on parle du centre-ville, mais on n'est pas très loin quand on est dans l'ancien quartier des cliniques ou autour des étangs Martel. Il y a là deux petites implantations maternelles, voilà, avec aussi des projets pédagogiques et des équipes motivées. Et donc, bon, pour les Brennois, bon, ça n'arrange pas ceux qui habitent Petit-Rue, mais en tout cas, pour les Brennois, il y a d'autres écoles de petite taille avec des jolis projets pédagogiques et des équipes motivées. Et donc, voilà, c'est pas l'offre qui manque. Et on peut faire ses études de 2 ans et demi au supérieur, puisqu'il y a même une école supérieure à Braine-le-Comte. C'est vraiment une ville qui offre un potentiel pédagogique énorme. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour l'échevine de l'enseignement, Ludivine Papleux. Il faut lui rendre le micro. Je voulais juste répondre par rapport au point pour la perte d'élèves à Steinkerque, parce qu'en fait, il y a bien une volonté d'agir, puisqu'on a décidé avec l'association des parents de refaire le projet pédagogique de l'école, donc en collaboration avec l'association de parents, la direction et les enseignantes, et de vraiment faire un groupe de travail sur le sujet pour essayer de montrer vraiment les spécificités de l'école et ce qu'elle peut apporter de plus par rapport à d'autres pour augmenter justement le nombre d'élèves. Et j'ai aussi convoqué une réunion avec la cellule communication, justement, pour essayer d'amplifier la communication, que ce soit sur les réseaux, dans le Braine Notre Ville, ou encore via d'autres moyens, pour encore les mettre davantage en valeur et qu'elles aient plus de visibilité. Et par rapport à Eric, quand tu dis qu'on a jusqu'au 30 septembre, en fait, pas vraiment, puisque la ministre doit se prononcer sur la décision de fermeture. Donc, ça prend un certain laps de temps. Donc, on n'a pas jusqu'au 30 septembre si on veut fermer pour l'année scolaire prochaine. Voilà. Sinon, effectivement, ce sera pour l'année scolaire suivante. Ce qui, à mon avis, arrangerait évidemment davantage certaines personnes. Non, parce que le PO peut prendre la décision au mois de septembre de fermer au 30 septembre. Ah ben super, et on fait quoi alors pour tous les parents qui, entre-temps, auront mis leurs enfants à Petit-Rue? Non, c'est en fonction du nombre d'élèves inscrits. Mais ça, voilà, les parents le verront. On va prendre la solution, malheureusement, responsable, franche et certes bien compliquée, mais plutôt que la solution un peu... hypocrite d'aller dans un sens et puis finalement au 30 septembre on se retrouve sans rien. Bien, je vous propose qu'on passe au vote pour ce point. Donc, qui décide de la fermeture définitive de l'implantation scolaire de Petit-Rœux? La majorité. Qui s'abstient sur ce point et qui vote contre? Le groupe Ensemble et le groupe Écolo. Merci beaucoup pour ces débats enrichissants.
Le point 3 de notre ordre du jour, c'est la délégation, et merci évidemment aux citoyens qui étaient présents. Le point 3 de la délégation de signature des actes, règlements, ordonnances du Conseil, publication et de la correspondance est une prise de connaissance. Je ne sais pas si donc c'est le directeur général qui délègue à la responsable du service des marchés publics la signature des documents pour la vérification des prix et les prolongations de validité des offres. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point ? C'est une prise de connaissance ? Non. Ensuite, nous avons la convocation à l'Assemblée générale du 23 mai 23 de l'intercommunale IMIO. Donc, nous y représentent les conseillers et conseillères Henri-Jean André, Muriel de Debelair et Laurent Lauveau. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'ordre du jour de cette intercommunale ? Non, monsieur le conseiller Guévard, oui, prends un micro. Ah ben il est là. Oui, est-ce qu'il est possible, bon, puisqu'à l'ordre du jour, l'Assemblée générale se déroule, d'avoir peut-être le PV d'Assemblée générale quelque part à disposition Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Vous ne pouvez pas, monsieur, je suis vraiment désolé. Ah oui, nous remettre la pétition, ça c'est la moindre des choses, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Ensuite, nous avons... Donc on mettra évidemment les PV à disposition. Merci. Ensuite, le patrimoine communal. Donc, nous avons un point relatif donc, à un nouveau bail commercial pour la rue de la Station Septembre. Donc, c'est un bâtiment communal que vous connaissez bien. Comme nous sommes en séance publique, je me dois de ne pas citer tous les noms, mais que tout le monde comprendra bien. Donc, je vous explique. En décembre 2008, le conseil communal a retenu une personne pour reprendre la gestion Horeca de la taverne située donc dans l'espace Baudouin 5. En mars 2022, nous avons proposé donc de reconduire le bail pour cette SPRL de la personne en question. Sauf qu'entre-temps, la SPRL a changé de gestionnaire. La SPRL est tombée en faillite et le gestionnaire initial que le conseil communal avait retenu a souhaité donc pouvoir revenir avec une nouvelle SRL et reprendre les choses en main pour pérenniser l'emploi, enfin ou rendre en tout cas de l'emploi à celles et ceux qui avaient perdu le leur, ainsi que évidemment mettre fin à une fermeture dans un bâtiment qui pouvait éventuellement se dégrader. Et donc dans ce cadre, notre juriste a travaillé le plus rapidement possible. Je profite de ce point pour la remercier publiquement parce que notre juriste a malheureusement quitté notre administration communale. Et je tiens aussi en séance publique, je pense que c'est important, à remercier le directeur général qui va à nouveau endosser ses responsabilités le temps qu'on trouve une ou un remplaçant donc, pour les matières juridiques de notre ville et donc demander aussi un petit peu de compréhension si jamais ça ne va pas tout de suite très vite. Mais donc ici, donc notre juriste a quand même travaillé d'arrache-pied pour ce point, pour proposer donc effectivement un nouveau bail commercial, en sachant, et il faut le dire puisqu'on est en séance publique, que la personne a déjà rouvert, qu'on n'a pas effectivement attendu le conseil communal, ou qu'elle n'a pas attendu le conseil communal pour qu'elle puisse remettre rapidement tout le monde au travail. Donc je le dis publiquement, parce que c'est vrai que ça pourrait être un point d'interrogation de notre noble assemblée, mais nous voulions absolument relancer et doper la rue de la Station qui en a bien besoin. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce point, monsieur le conseiller De Smet et madame la conseillère Cornelius? Oui, je demande qu'on enregistre aussi. J'enverrai mon texte. Bon, pour ce qui concerne ce bail commercial, on s'interroge sur différents points. Bon, premièrement, le nouveau bail commercial doit être conclu avant l'entrée dans les locaux du nouveau locataire. Mais vous signalez que seul l'aval du collège communal permettrait au futur locataire d'entrer préalablement dans les locaux. Bon, ce qu'on voulait simplement savoir, c'est si le collège a bien donné son aval et à quelle date, en fait. Hein. Bon. On se demandait également, vu cette situation, si ce n'est pas anticiper la décision du conseil communal, vu que on est face à, on doit voter sur un bail et bon, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point,
la motivation de déroger à la publicité, la mise en concurrence et l'égalité de traitement des candidats, vous citez que seule une motivation adéquate permettrait de déroger à ces principes. Une attention toute particulière est donc nécessaire quant à la motivation du Conseil communal. Bon, plusieurs points sont déjà énumérés dans les considérants. Je crois que c'est pas mal. Mais il me semble qu'un aspect plus global pourrait être évoqué. Je cite comme ça, l'attractivité pour la ville, la diversité dans le secteur HoReCa dans la ville afin de satisfaire les différents besoins des consommateurs, montrer que l'HoReCa est très diversifié sur un espace relativement réduit. Hein, donc, montrer l'importance commerciale de la rue de la Station, c'est parce qu'on parle de la rue de la Station, mais la tutelle n'est pas censée connaître la situation de la rue de la Station. Donc je crois que ce serait bien d'avoir une mise en évidence de l'importance commerciale de la rue de la Station. Également la présence du centre culturel et de la proximité de la salle communale. Ça peut être un attrait après un spectacle. Bon, on peut aller boire un verre dans un établissement HoReCa proche des activités. L'importance des activités du secteur tertiaire à Braine-le-Comte, etc. Donc, je me demande si on ne pourrait pas ajouter à ces considérants, faire appel à l'ADL pour augmenter un peu les arguments, vu que la motivation de passer outre de cet aspect, c'est tout de même important qu'on ne nous reproche pas de le faire. Alors, en ce qui concerne le bail et la communication des paiements des loyers, ne serait-il pas préférable de noter bail SRL Baudouin 5 plutôt qu'une personne physique? Donc, dans la communication du paiement, on cite une personne physique qui est administratrice d'une SRL, donc c'est plus le paiement de la SRL. Donc je trouve que ce serait préférable de mettre ça dans le bail plutôt que la personne physique. Et enfin, par ailleurs, le bail stipule que le loyer sera indexé. Mais dans le bail d'aujourd'hui, le loyer correspond au loyer qui avait été fixé en 2013. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le loyer de départ en 2023, en fait? Donc, je présume qu'il a été indexé entre-temps. Enfin, je ne sais pas, ça. Voilà. Voilà, ce sont les quatre points que je voulais citer. OK, donc sur les trois derniers points, aucun souci, évidemment. Et donc, je vais demander à l'échevine du développement économique, Ludivine Papleux, d'ajouter encore pas mal de choses sur la rue de la Station, effectivement, le lien avec le centre culturel. Et pour le premier point, je l'ai dit dans la présentation, effectivement, on a voulu aller vite et ne pas attendre. Et on savait pertinemment bien, a priori, de par l'attachement de toute une série de membres ici autour de la table, que comme on restait dans la philosophie initiale du premier marché, du premier appel ouvert et public, il n'y avait pas de souci quant à l'obtention. Donc on a pris sur nous, évidemment, mais on s'est dit que ça, a priori, le Conseil communal devait nous suivre sur la question. Donc voilà la réponse à ton questionnement. Mais le collège qui prépare évidemment le Conseil communal avait déjà effectivement marqué un accord et je vais le dire honnêtement, c'est vrai qu'on on a été un petit peu, il y a eu des débats quand même par rapport à cette ouverture assez rapide, mais voilà, il y a beaucoup d'emplois qui étaient en jeu. Il faut savoir que voilà, des personnes étaient sans revenus depuis très longtemps. Madame la conseillère Cornelius, Sabine. Oui, nous ne pouvons que nous réjouir et encourager la réouverture de cet établissement chez Joseph. Je pouvais le citer ? Non, je ne peux pas. Trop tard. Qui répond à une demande de nombreux Brennois
et aussi surtout le maintien des emplois au sein de notre ville. Moi, je voulais remercier le collège de soutenir de telles initiatives dans notre ville. Merci beaucoup, Sabine. Voilà, pas d'autres remarques. Ah, pardon, excuse-moi, Olivier. Et en plus de ça, le micro est accaparé par Ludivine. Ludivine, est-ce qu'on peut... Merci. Non, mais juste, c'est pour être bien, bien clair, donc suite à la remarque de Guy, en fait, on en avait parlé au collège, effectivement, que ça aurait été intéressant, mais peut-être qu'on n'a pas fait attention, et moi le premier, mais qu'on allait bien mettre le loyer avec l'indexation et qui servirait de loyer de départ. Et donc, voilà, c'était la question de Guy, et donc voilà. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'on va en tenir compte, donc. C'était juste ça, puisque ça avait été discuté en collège aussi. Voilà, est-ce que moyennant donc tout cela, on peut passer au vote qui est d'accord avec donc ce nouveau bail commercial, unanimité. Merci beaucoup. Alors ensuite, une approbation tutelle, donc c'est une information pour le stationnement des véhicules à moteur. Et puis, stop. Oui. Ok, monsieur le conseiller Damas, Pierre-André. Mais dans la note de la tutelle, il y avait quand même... une petite demande sur la durée de conservation des données à caractère privé et sur leur mode de suppression. Alors, est-ce qu'on compte amender le prochain règlement lors d'un prochain conseil communal pour inscrire ces points dans le règlement ? Dès que nous aurons un nouveau DPO. On n'en a plus. Voilà. Mais donc, oui, effectivement, c'est une remarque qui a été transférée au service juridique. Voilà. Au directeur général. Effectivement, tu fais bien de le dire. Merci Pierre-André. Ensuite, donc le point 7, on l'a évoqué. Le point 8, c'est un marché public. Alors, ce que je propose peut-être, Olivier, si tu es d'accord, donc c'est l'échevin de l'informatique qui va présenter le point échevin de l'informatique et de la digitalisation pour compte également de l'échevin de la mobilité pour ce qui est de la gestion des espaces publics et de l'échevin de la communication pour ce qui est également de l'utilisation de ces logiciels et donc enfin, de ces applications. Donc, je propose si vous êtes d'accord, qu'on lit les deux points. Donc, vous avez un point de conventionnement avec Soigny et puis après, vous avez un point réellement de marché public sur lequel on prend la main par rapport à la ville de Soigny. Donc, je propose, Olivier, si tu es d'accord. J'allais vous le proposer, monsieur. Tu vois, je t'en prie. Oui, bah, écoutez, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Et effectivement, donc, comme le disait monsieur le bourgmestre, c'est deux points qui sont finalement liés. Donc, pour rappel, Taxon-Pilon, c'est un accord entre les opérateurs de télécom et la Wallonie qui porte sur deux choses, à la fois l'amélioration de la connectivité du territoire et la création donc, d'un mécanisme d'appel à projet destiné à cette digitalisation des pouvoirs locaux. Alors, évidemment, à Braine-le-Comte, on est un peu chanceux puisque on n'a pas vraiment de pylône qui sur notre territoire qui est taxable, mais on bénéficie évidemment de cette couverture et de ce programme. L'idée ici, c'est de pouvoir se conventionner effectivement avec la ville de Soigny. Donc il y a un gros travail, et je pense qu'il est vraiment à souligner aussi de part et d'autre. Oula ! Non, c'est pas moi, je rassure les spectateurs, mais c'est une chute d'eau. Oui, c'est ça. Guy, j'espère que ton téléphone n'a rien. Non, voilà, le téléphone de Guy va bien, je rassure tout le monde, sa famille en premier lieu, donc il pourra encore vous appeler, je vous rassure. Ici, donc c'est bien à la fois, mais dans un premier temps, le projet de convention qui vous est soumis. Je rappelle aussi que c'est un dossier qui représente un montant, donc dossier co-construit avec l'aide de l'IDEA, d'un montant d'un peu plus de 140 000 euros, 141 730 euros pour être exact, sur ce projet. Avec, donc là, c'est le point qui est lié évidemment au deuxième objet que nous regroupons et qui est aussi une demande des services de Léandre depuis un petit temps, et donc de Léandre qui en fait
qui en est le porte-parole, c'est l'acquisition d'un logiciel dit de gestion intelligente du domaine public qui va permettre évidemment à la fois d'améliorer l'expérience que les citoyens peuvent faciliter aussi, enfin, et faciliter grandement leur travail et les services aussi communaux, puisque ça permettra à la fois de signaler les défauts dans l'espace public et ce, en ligne. Donc, on pourra évidemment intervenir et le citoyen pourra le faire. Ça permettra aussi de pouvoir réaliser les demandes d'autorisation d'organisation d'événements et les demandes d'occupation du domaine public en ligne directement, et qui permettra aussi d'avoir une cartographie réelle sur nos territoires, une carte interactive et qui sera mise à jour en temps réel, donc rassemblant à la fois les travaux, les déviations, les interdictions de stationnement et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans cette digitalisation des services publics, c'est demandé donc à la fois du côté brennois et du côté sonégien aussi, on est dans cette logique collaborative. Et ici, l'objet porte sur les deux volets, puisque à la fois, ben, si vous refusez la convention avec Soigny, ça nous serait évidemment compliqué de pouvoir nous porter acquéreur du logiciel en question. Donc voilà, j'essaie de rapidement brosser un peu de manière générale, parce que je ne sais pas s'il y aura des questions, mais donc là, on va essayer de vous les apporter directement. Merci beaucoup, Monsieur Léchevin, de la digitalisation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ces deux projets, Monsieur le conseiller Lovo, Laurent? Il faut lui rapporter le micro. Donc, je dis juste pour que ce soit bien clair. Donc, le chef de groupe, effectivement, PS, donc Michel, avait demandé que chaque groupe puisse avoir un micro. Mais le micro du chef de groupe PS a rendu l'âme. C'est quand même dommage. Donc, je t'en prie, Laurent. Oui, bonsoir. Voilà, donc concernant les deux marchés publics, il y en a un qui est donc tiré par la ville de Braine-le-Comte pour tout ce qui est software. Et alors j'ai vu qu'en quoi pour Soigny c'était au niveau hardware. Mais oui. De quoi il s'agit en fait? Donc l'idée c'était aussi de splitter à la fois Braine-le-Comte s'occupe de tout ce qui est soft et Soigny s'occupe de tout ce qui est hard en l'occurrence. Mais donc il y a différents modules qui seront achetés par Soigny. Alors, j'ai pas la liste mais en fait exact. Soigny va utiliser tout ce qui va acheter pardon tout ce qui est smartphone tablette et consorts dont on aura besoin, donc ça c'est hardware liste, hein. Et nous allons nous occuper de tout ce qui est software, à savoir les applications, les logiciels et autres. Donc voilà, c'est juste une question d'accord entre les deux communes. Je veux dire, l'application en elle-même, elle est hébergée où? Alors, l'application, si je me souviens bien, elle est hébergée chez le fournisseur, sur le cloud. Oui, elle est cloudée. Oui. Elle est cloudée, oui. Oui. Merci. Et donc, juste pour répondre aussi, l'utilisation, elle sera conjointe, forcément. Voilà, pas d'autres remarques sur ce point. Donc, je vous propose d'abord de passer au vote de l'approbation de la convention avec la ville de Soigny et de Braine-le-Comte. Qui est d'accord? Guy? Unanimité. Merci. Et puis ensuite, sur le marché public relatif donc à la gestion du domaine public. Qui est d'accord? Unanimité. Je remercie aussi au passage Gunaël Huillot qui a effectivement beaucoup travaillé effectivement sur ce dossier et évidemment Caroline aussi Leray, du côté sonégien. Voilà, c'est ça, le pendant sonégien, puisque c'est déjà une belle collaboration avec la ville de Soigny. Alors ensuite, nous avons un marché public de renouvellement de l'adhésion de la ville de Braine-le-Comte à la centrale d'achat d'Aurès A7 pour les travaux d'éclairage public. Et le micro revient à l'échevin de l'éclairage public. Voilà. C'est donc l'échevin des travaux, André-Paul Coppens. Voilà, donc puisque nous sommes déjà membres, c'est un renouvellement, comme c'est bien expliqué. Donc ça permet en fait à la ville de Braine-le-Comte et à ses villages, comme aux 195 autres communes associées, de réaliser en fait des économies d'échelle lors d'installations en aérien ou souterrain et remplacement des éclairages publics. Ce renouvellement d'une durée de 4 ans prendra cours cette fois-ci au 1er juin parce qu'en fait c'est une volonté de RSA7 d'harmoniser en fait la date d'adhésion pour plus de facilité de gestion par la suite. Voilà, donc c'est la même chose qu'il y a 4 ans, en fait c'était juste un peu moins de 4 ans. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Tout le monde est d'accord? Unanimité? Merci beaucoup. Alors le point suivant, c'est la mise en conformité électrique de 4 bâtiments communaux, Monsieur l'échevin des travaux et des bâtiments. Merci Monsieur le bourgmestre. Donc il s'agit des bâtiments
de l'informatique, de la bibliothèque, de la maison des jeunes et de l'académie de musique. Donc ce marché est vraiment indispensable hein, suite aux différents contrôles que nous avons eus de l'organisme de contrôle, dans le cadre où il y a eu énormément de remarques à lever. Et donc c'est bien évidemment dans le cadre de la remise en conformité des bâtiments pour lequel on inscrit un budget à l'extra de 200 000 euros chaque année. Et qui en fait est une de nos priorités, ça vous le savez. Donc il s'agit d'un marché pour un montant total de 56 280 euros avec deux TVA. En fait, voilà, c'est la petite surprise, il y a une TVA de 21% et par contre, pour l'académie, c'est 6% parce qu'en fait, on est dans un bâtiment scolaire. Voilà, c'est peut-être la petite info. Madame la conseillère Martine Garminck. Oui, je m'étonne d'une mise en conformité pour la bibliothèque parce que c'est quand même un bâtiment récent et les travaux ici sont encore en cours, donc je m'étonne. C'est normal que tu t'étonnes, mais ce n'est pas un bâtiment récent parce qu'au final, oui, on pense que c'est récent, mais une fois qu'un bâtiment a déjà plus de 20 ans, ils sont déjà plus aux normes dès le départ. Et ici, en fait, si tu veux, c'est vrai qu'on a déjà fait pas mal d'aménagements au niveau des éclairages, hein, donc tout ce qui est économie d'énergie, etc., plafond, voilà. Chaque année, on met de l'argent, bien évidemment, dans la bibliothèque. Mais ici, c'est vraiment au niveau des câblages, au niveau des boîtiers et compagnie. Donc, c'est le contrôle Vinsot, en fait, vérifie toutes les potentialités et compagnie. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on doit refaire, au final, tous les boîtiers électriques en fait doivent être faits complètement, voilà, et retirer des câbles à certains étages, parce qu'il faut savoir aussi, et ça on l'oublie, c'est qu'en fait il y a une partie de la bibliothèque qui se trouve également dans le sous-sol qui était à la base un garage. Et donc on a toujours fait des petits aménagements en plus, on a rajouté des lignes, et ici c'est pour vraiment être en conformité totale. Il y avait aussi un rapport de pompiers en ce sens. Pas d'autres remarques ? Ah oui, monsieur le conseiller de Smet. Ah, voilà, donc. Mais quand j'ai dit bâtiment récent, je voulais dire qu'il y avait eu des travaux récemment. Voilà. Et voilà. Merci de mettre en avant les travaux qui ont été faits à la bibliothèque, Martine. Avec plaisir. Et qui sont encore en cours d'ailleurs, pour l'instant, vu qu'elle est fermée, pour travaux. Et donc voilà. Et donc Guy nous rappelle qu'il y a 36 ans. 46 ans. Mon Dieu, mais je n'étais pas né. Oui, 46 ans. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord donc, sur ces travaux de mise en conformité, sur ces cahiers de charges ? Unanimité. Merci beaucoup. Merci aussi pour les équipes communales qui sont à l'intérieur. Alors, nous avons maintenant le marché annuel hein, d'acquisition de caveaux, colombarium et cavurne. Je ne sais même pas si ça vaut une présentation, puisque c'est comme chaque année. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Unanimité. Merci beaucoup. Alors ensuite, la mise en place de fascines. Monsieur Léchevin, des travaux. Merci, monsieur le bourgmestre. Je serai un petit peu plus long parce que j'aime bien donner quelques petites précisions par rapport au marché. Donc, c'est la mise en place de fascines. Donc, c'est toujours dans le cadre de la lutte contre les inondations. Pour un montant total de 79 557,50 €, puisque nous avions mis un budget à l'extra de 80 000 euros. Donc, dans un premier temps, c'est le remplacement de fascines existantes. Donc, c'est les fameuses fascines qu'on a mis en place il y a 2 ans avec des ballots de paille que vous voyez le long des voiries. Dans nos villages énuaires, Petit-Rue et Stinker, parce que, bien évidemment, les inondations du centre-ville marquent, mais on oublie aussi que nos villages sont également touchés. Et donc, la première partie, c'est 10 mètres à l'avenue de la Wallonie, 30 mètres au rond-point de la Bosse, 70 mètres sur 3 zones à la route de Petit-Rue, 80 mètres sur 3 zones à la rue de la Choque, 60 mètres sur 2 zones rue du Haut-Bosquet, 20 mètres rue d'Anguien, 20 mètres chemin Saint-Antoine, 40 mètres chemin de la Dîme. Et puis vous avez vu que dans le marché, on a prévu 25 000 euros en plus, qui représentent en fait 250 mètres supplémentaires, qui seront placés en fonction des semi-plantations sur les parcelles agricoles, donc selon les besoins, qui se trouvent dans les zones de ruissellement qui ont été étudiées. Petit rappel, mais ici l'Assemblée le sait déjà, les fascines ne stoppent pas les eaux, mais les freinent, et surtout retiennent les boues provenant principalement des cultures de pommes de terre, de maïs, de betteraves. Ça, en général, ce sont les 3 cultures qui posent problème, et qui ont donc un impact direct sur le décrochage des terres, contrairement aux semis de légumineuses ou de céréales.
Et donc, il y a aussi la nouvelle politique agricole commune qui devrait également nous aider en ce sens à l'avenir, puisqu'elle préconise justement l'arrêt de plantation du type butée dans des zones de ruissellement où on a des bassins versants trop importants. Voilà. Merci, monsieur Léchevin, des travaux. Alors, monsieur, honneur aux dames, madame la conseillère Martine Garmin et puis monsieur le conseiller Yves Guévard. Oui, mais je voulais savoir si donc le retrait, l'enlèvement des fascines, c'est toutes les fascines existantes qui... Parce que ça m'étonne que ça fait seulement un an et demi qu'elles sont là et qu'on avait quand même voté un crédit d'urgence le 30 août 2021 pour les fascines. Et 30 000 euros, ce n'est quand même pas une petite somme. Et que les fascines... elles auraient pu être entretenues. Est-ce qu'elles l'ont été ? De rajouter de la paille, de couper... Enfin, c'est toutes des questions que nous nous posons. C'est une excellente question, parce que tu l'as dit toi-même, c'est un crédit d'urgence, et donc nous avons dû travailler en urgence avec, entre autres, mon collègue échevin Léandre. Et donc, en fait, ce ne sont pas les mêmes fascines. Ici, quand on a voté le budget de 30 000 euros, c'est parce qu'on avait des orages et donc il y avait énormément de coulées de boue. On devait réagir très, très vite. Et donc, on a placé des fascines, on va dire, préfabriquées. En gros, c'est cela. C'est arrivé avec des piquets, trouver des ballots de paille de 300 kilos et on les a placés. Le souci, c'est qu'on savait que ça allait tenir un temps. Mais voilà, ça tient un temps. Ça peut tenir jusqu'à 3 ans maximum. Mais on devait réagir tout de suite parce que, bien évidemment, poser des fascines, il y avait tout un marché à faire. On était vraiment dans l'urgence. Et donc, on a vraiment travaillé dans l'urgence. Et il y a d'ailleurs des zones où certains agriculteurs utilisent la même technique pour protéger leurs champs également. Et j'ai vu que dans le marché, on ne parle pas d'entretien des fascines qui vont être placées. Est-ce que c'est la ville qui va faire l'entretien ? Oui, bien sûr. Donc, au final, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fascines. Donc, on a des fascines... Malheureusement, chez nous, on ne sait pas le faire. J'en ai vu d'ailleurs en France, il y a un petit mois d'ici, j'avais été voir, en fait, où on travaille vraiment avec des branchages. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est le système un petit peu comme, je vais dire, un tri, voilà. Et alors, on vient recharger au fur et à mesure. Ici, c'est un mélange de paille et de treillis. Et on peut les... En fait, elles ont une longévité. Donc, en fait, on pense que ça tient entre 5 et 7 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand ça filtre, ça s'abîme. Et donc, pas seulement la fascine en elle-même, mais également tous les pieux. Donc ici, bien évidemment, il y a un entretien à faire, mais le tout, c'est en fonction de l'endroit, il y a des zones où il faut de toute façon les démonter après autant d'années. Si par exemple, tu vas du côté du moulin du Plouilly, par exemple, tu peux aller voir la fascine qui a été démontée, à l'arrière, tu as 60 cm de terre. Donc là, elle n'est plus efficace du tout. Donc il faut vraiment, tout, à ce moment-là, tout démonter et refaire complètement. Voilà. Monsieur le conseiller Yves Guévard. Oui, j'enverrai le texte aussi pour acter. Je vous remercie. Donc, la fascine est bien un moyen rapide à mettre en place pour filtrer les eaux chargées en sédiments, ce qui permet de garder la terre à l'amont et éviter les désordres à l'aval, par exemple en provoquant des bouchons au niveau de l'égouttage. L'avantage de la mise en place d'une fascine est que son efficacité est immédiate. Ça, c'est le point très positif. Le problème de la fascine est son usage unique, ça a été évoqué tout à l'heure, et qu'elle demande un entretien régulier via une reprise végétale de pieux et de plançons afin de pouvoir recharger le caisson au fur et à mesure que les fagots se dessèchent ou sont souillés par des sédiments séchés, car la fascine ne filtre plus, mais se contente de dévier les coulées de boue, ce qui, évidemment, n'est pas désiré. Donc, il y a de l'entretien à faire. C'est sans doute la raison pour laquelle il faut, en 2023, déjà remplacer celle installée en urgence en 2021. Bémol, ce n'était pas les mêmes modèles, apparemment. Donc, voilà. Alors, ma question, première question, est-ce que c'est du leasing, cet achat de fascine ? Avec un contrat d'entretien inclus, ce serait bien.
Sinon, donc, qui se chargera de leur entretien durant la période de 4 ans, puisque le cahier des charges demande qu'elles tiennent 4 ans. La qualité du fagot de remplissage est fondamentale. Si le cahier des charges contient bien des descriptions des matériaux et des bonnes pratiques, n'est-il pas possible aussi d'intégrer dans l'évaluation du marché le critère qualitatif, tant sur les matériaux que sur la méthode, par exemple sur base d'un dossier opérationnel à rédiger par le soumissionnaire. Ça me semble primordial pour avoir vraiment des choses de qualité, tant sur la méthode d'implémentation que sur les matériaux utilisés. Comment s'est opéré le choix des endroits? Y a-t-il eu une analyse, par exemple, par YTEC? Et donc, 70 000 euros, ben, ce n'est pas une petite somme. Hein. Et si on doit effectuer un remplacement tous les deux ans, et que ce remplacement coûte 6 000 euros, c'est quand même des sommes assez conséquentes. N'est-il pas plus judicieux, non pas plus, n'est-il pas judicieux, en parallèle à l'implantation de ces fascines, de prévoir des zones herbées qui infiltrent l'eau et la plantation de haies anti-érosives qui ralentissent les ruissellements, retiennent les boues, favorisent l'infiltration par évapotranspiration et provoquent la sédimentation. C'est du durable, cela demande nettement moins d'entretien et à moyen terme, c'est meilleur pour le portefeuille de la ville et de ses citoyens, contribuables. D'autant que la région wallonne subventionne la plantation de telles haies et même leur entretien. Que pensez-vous de cette proposition du groupe Ensemble? Merci, monsieur le conseiller. Monsieur Leschemin des travaux. Oh là là. Oh là là. Ben non, ce n'est pas un leasing. Hein. Bon, déjà, c'est une chose. Alors, tu me parles de qualitatif. Voilà, c'est clair. C'est une bonne idée. Maintenant, d'un autre côté, si dans un marché public, on te demande qu'elle tienne 4 ans, ben, il y a intérêt qu'elle soit de qualité. Au niveau de l'entretien, ben, j'ai déjà répondu à Martine avant. Bien évidemment, il y a des études. D'ailleurs, on en a parlé plus. Chaque fois qu'il y a un point au niveau des inondations, on parle chaque fois des bassins versants. On a une étude YTEC sur plusieurs choses, entre autres pour les zones d'immersion temporaire. HIT était également intervenu dedans. C'est vrai que 70 000 euros, c'est beaucoup, mais par rapport aux risques encourus pour nos habitants, voilà, c'est peu au final, même si c'est une grosse somme. Et alors les zones en herbe, ben, je suis le premier à être pour. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ici, j'étais en voiture avec Léandre et Maxime. Et j'étais en train justement de poser une question à Léandre par rapport aux zones jachères et aux plantations de zones en herbe, soit en bordure de ruisseaux. Pour un souci entre deux agriculteurs qui doivent avoir accès aux champs. Donc clairement, oui, on sait. Maintenant, il faut savoir que ces zones enherbées, on peut pas les, enfin, si on pourrait les imposer, mais il y a tout un travail à faire. Et ce travail, je compte bien le faire avec Léandre de toute façon. Ça, je compte bien le faire parce que en plus, je parlais dans mon intervention qu'au niveau de la PAC, hein, de la politique agricole commune, il y a toutes des changements qui sont en train de s'opérer, parce qu'au final, on se rend compte aussi qu'on a toute une série d'endroits où on laisse planter un petit peu, et c'est souvent des grosses sociétés, hein, c'est souvent des patatiers, etc., qui ne font pas spécialement attention. Et il y a des nouveaux systèmes de plantation aussi qui existent. Et ça, bien évidemment, on a besoin pour ça de réglementation. Et la nouvelle PAC le prévoit. Ça c'est clair, puisqu'en fait je suis en plus en train d'étudier pour l'instant, donc je peux dire qu'il est en train de le prévoir, et donc je compte vraiment là-dessus. Et clairement, on a un travail, mais peut-être que Léandre pourra dire un mot là-dessus. On a un travail de toute façon qui commence vraiment avec nos agriculteurs, parce qu'il faut aussi changer. Quand on dit que les gens doivent changer de mentalité, ben, les agriculteurs aussi doivent s'adapter par rapport à la situation du climat, quoi. Donc je vais juste dire un mot. Non, mais juste pour vous donner l'info que l'an dernier, nous avons mis en contact l'ensemble des agriculteurs brennois avec la cellule Natagriwal et son agent propre au territoire du Hainaut pour un peu les informer sur les différents types de jachères qu'il y avait possibilité de mettre en place
et entre autres la jachère anti-érosion, où il y a quand même des subsides à la clé via la PAC. Il y a quelques agriculteurs qui ont répondu positivement et qui ont reçu cet agent de Nata Griwal, et on peut déjà voir les différentes bandes dans des zones assez problématiques. On a quand même essayé de cibler les agriculteurs dans les points noirs pour fortement insister pour qu'ils mettent en place ces zones. Ça a été réalisé, il y a encore du travail, mais effectivement une ville ne peut pas obliger un agriculteur à mettre en action ce type de lisière. Alors, je l'entends bien, mais c'est vrai que la zone enherbée jumelée avec une haie anti-érosive, c'est l'idéal. C'est ce que tout le monde en fait propose. Pourquoi ? Parce que la fascine, et d'ailleurs, je n'ai pas encore eu la réponse, mais je l'aurai certainement. Admettons que vous installiez les fascines. Je ne le souhaite pas. 2 ans plus tard, il y a inondation, coulée de boue. Les fascines sont complètement pleines de boue. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les remplace ? Et donc c'est ça que je dis, c'est un one shot. Donc il ne faudrait pas que tous les ans, il y ait malheureusement des coulées de boue qui vont bloquer systématiquement les fascines. Financièrement parlant, c'est quand même pas terrible. Donc essayons de trouver des solutions qui sont plus durables et qui vont sur du moyen terme, plutôt que des risques de one shot en tout cas. Si je peux aussi me permettre, chaque année on a un objectif et on essaye vraiment de faire en sorte qu'avec le service travaux ça se couple et qu'il y ait un lien avec la lutte contre les inondations et contre les coulées de boue. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'au mois de novembre dernier nous avons planté plus de 500 mètres de haies à la rue du Haut-Bosquet à Steinkerque, parce qu'on avait eu des soucis et qu'on avait déjà mis en place justement ces fascines en ballot. Après, la haie n'agit pas tout de suite le temps qu'elle pousse, qu'elle s'enracine, qu'elle se développe, mais le relais doit être pris dans les trois premières années par justement ces fascines qui, elles, doivent être entretenues, certes. Mais je pense que c'est une accumulation d'éléments et c'est une bonne collaboration que l'on a déjà avec le service travaux et mon collègue Échevin André Paul qui se joue déjà actuellement. Je voudrais aussi ajouter que quand tu dis c'est pas la panacée, hein, les zones enherbées, je peux te le dire, parce que d'abord, par expérience, quand on a eu l'inondation à Petit-Reux, les boues, elles ont traversé plus d'un kilomètre de zone enherbée avant d'arriver au final, quand même, à la rue de Braine et d'inonder 2 maisons par le bas. Donc, c'est pas le souci, c'est que c'est vraiment un travail de collaboration entre tout le monde, c'est-à-dire aussi bien la ville, les agriculteurs, et c'est vraiment ces changements en fait de plantation, de semis. Parce qu'en fait, voilà, on a réduit énormément. En fait, on est victime de notre première industrie ici à Braine-le-Comte, c'est l'agriculture, et c'est très très important parce que quelque part, c'est vraiment ça crée de l'emploi. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Le souci, c'est comme vous vous rendez compte aussi, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui traient, et donc on a eu aussi énormément de prairies qui sont devenues des champs. Hein. Et puis à l'époque, il y a quelques années d'ici, on pouvait labourer en finale sans aucun souci n'importe quel champ, même s'il y avait 10% de pente, c'était pas grave, on le faisait quand même. Et donc aujourd'hui, on est victime de cela. Et heureusement, la PAC apparemment s'est arrêtée sur le problème et s'est dit il y a des zones où on ne pourra plus faire ce genre de choses. Je me souviens d'ailleurs quand c'était le quartier Saint-Laurent a été inondé, on avait des pommes de terre qui arrivaient de plus de 3 km. Donc c'est bien la preuve que c'est l'addition de tout un travail, de tout un chacun pour y arriver, quoi. Oui, donc n'ayez crainte, on va voter le point, bien sûr. Je crois que c'est trop important, mais pensons peut-être dès maintenant à dire on va planter des haies aux endroits où aujourd'hui on met des fascines. Eh bien, c'est la priorité, on plante des haies à cet endroit-là pour que peut-être dans 5, 6 ans, 7 ans, quand les haies seront d'une taille suffisante au niveau volume, qu'on ne doive plus mettre de fascines. Donc, je crois que tout le monde serait gagnant. Bien, merci pour ce débat. Je vous propose qu'on passe au vote de ce point. Qui est d'accord, du coup ? Unanimité, bien voilà, merci beaucoup. Alors, nous passons à quelques points de mobilité. Donc, tout d'abord, une emprise sur le domaine public à titre précaire à la Drève des Bouleaux numéro 7, monsieur l'échevin de la mobilité. Merci. Mais donc, il s'agit d'une petite formalité pour cette personne qui habite en retrait de la voirie et dont le propriétaire de sa servitude de passage ne souhaite pas qu'il place une boîte aux lettres. Et donc, cette personne nous demande une emprise sur le domaine privé à titre précaire pour placer cette fameuse boîte aux lettres.
Je ne sais pas s'il y a un inconvénient. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non, unanimité, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est une demande de suppression partielle du sentier 90 au départ de la Drève existante entre la Nationale 6 et la ferme de la Tour. C'est une demande, mais les chemins vous expliquent la proposition. En effet, c'est une demande et nous vous proposons de refuser cette demande de suppression de sentier, puisque vous savez, depuis quelques temps maintenant, nous œuvrons avec le service mobilité à maintenir une logique de réseau et de pérenniser un maillage pédestre. Notre ville est quand même une ville avec pas mal de sentiers de l'Atlas vicinal qui sont encore ouverts et nous souhaitons vraiment pérenniser cela. Et donc, nous souhaitons ne pas accepter la demande des propriétaires privés en vue de supprimer le sentier 90. Et nous allons même plus loin, nous allons proposer des solutions alternatives, et ce, en collaboration avec le propriétaire et avec le géomètre que nous avons mandaté ensemble via un marché public au Conseil de l'an dernier. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, monsieur le conseiller Guévard. Oui, je demande qu'on acte aussi. Eh bien, je me réjouis de la décision du collège. C'est rare, mais autant le dire. En fait, c'est pour ça que tu as demandé d'acter. Oui. Acter, monsieur voilà. le conseiller. Voilà, on ne pourra pas dire que je suis que négatif. Mais... Non, c'est vrai que bon, cette demande de suppression de ce très beau sentier, hein, tout en cette allée verte, avait suscité du débat, aussi de l'émoi, et au final aussi 21 réclamations lors de l'enquête publique, ce qui n'est pas rien pour un sentier. Beaucoup de réclamations proposaient le maintien du sentier et même la réhabilitation des tronçons disparus sous les labours, pas nécessairement non plus sur base stricte du plan de 1841, mais adapté, bien évidemment, aux besoins et aux changements opérés dans ce nouveau quartier. Un nouveau maillage bleu-vert est possible pour rejoindre le nouveau quartier du Champ du Moulin via une boucle verte et la possibilité de créer une zone humide et de biodiversité le long du ruisseau, le Cerisau, pour retrouver aussi des plantes et des fleurs sauvages qui ont disparu lors de la création de ce quartier. Voilà. Très bien, merci. Mais c'est pour cette raison que nous allons vous proposer une étude avec les différentes alternatives afin de pour faire un maillage cher à ma conseillère David. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce refus de demande de suppression ? Oui. Merci beaucoup. Alors ensuite, on passe à l'environnement avec une convention tripartite relative à l'installation de deux bulles à verre enterrées à l'avenue du Champ du Caillot. Monsieur Deschemin de l'environnement. Merci, monsieur le bourgmestre. En effet, donc dans le cadre du lotissement à l'avenue du Champ du Caillot, nous avions demandé en charge d'urbanisme le placement de deux bulles à verre enterrées pour les verres verts et les verres blancs. Ceci se situerait en début d'avenue côté de rue des Digues. Pour ce faire, pour la gestion, il nous faut une convention tripartite. Et c'est l'objet donc de cette note. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce point ? Pas de remarques, tout le monde est d'accord ? Unanimité ? Merci beaucoup. Alors ensuite, eh bien voilà, nous passons aux questions orales des conseillères et des conseillers communaux. Et la première question orale est celle du conseiller Christophe Decamp sur le labo jeunesse. Il faut que le micro lui revienne. Merci, monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs les échevins et présidents du CPS, mesdames, messieurs les conseillers. Le 1er avril dernier, nous étions quelques élus à nous rassembler autour de la jeunesse brennoise qui avait accepté de faire le déplacement à la salle Baudouin IV pour le labo jeunesse. Une initiative de notre service jeunesse en collaboration avec le CRECID, pour rappel Carrefour régional et communautaire de la citoyenneté et de la démocratie, dans le cadre de Ça bouge pour votre commune. Si j'ai bien compris, une première phase a eu lieu l'année passée avec l'envoi d'une carte postale à tous les jeunes Brennois de 10 à 22 ans. Sur cette carte figurait un lien vers une enquête en ligne
dont les résultats ont été présentés aux jeunes en novembre. À la suite de cela, des priorités ont été établies et le Labo Jeunesse du 1er avril était la finalisation du processus avec la possibilité de décrocher un subside pour le projet. De mon avis personnel, et je pense être rejoint par mes collègues présents, la participation des jeunes était assez faible. Malgré l'enthousiasme des animateurs et la bonne préparation de l'activité, je reste sûr que ce résultat décevant et triste, car on donnait vraiment la parole à nos jeunes brennois de tout horizon. Voici mes questions. Combien de jeunes ont reçu la carte postale et combien ont répondu à l'enquête en ligne ? Le taux de participation est-il comparable à celui des autres villes ? Les résultats de l'enquête en ligne sont-ils disponibles et où peut-on les consulter ? Comment et quels jeunes ont été informés du labo ? Une nouvelle invitation générale a-t-elle été envoyée ou juste les répondants à la présentation de novembre ont été convoqués ? Les délais entre les différentes opérations n'étaient-ils pas trop longs ? Quel projet a gagné le labo et quel subside va-t-il recevoir ? Quel bilan tire le collège de cette opération ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller communal, et c'est l'échevine de la jeunesse Angélique Mauque qui va répondre. Merci, monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup, Christophe, pour ta question. Je vais essayer de ne pas être trop longue, parce que c'est vraiment, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, car il s'agit d'un très gros projet, très riche, et donc je ne pourrai pas tout expliquer. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le service jeunesse, on vous répondra avec plaisir. Voilà, tout d'abord, un petit retour en arrière sur le pourquoi de ce projet. Donc, ce qu'on voulait avant tout, c'était donner la parole aux jeunes, parce qu'ils réclamaient d'être écoutés, mais surtout d'être entendus. Et donc, il a été demandé au service jeunesse de développer administrativement et techniquement la politique de la jeunesse par la réalisation de projets spécifiques. Donc, le projet Ça bouge dans notre commune, c'est un projet qui concerne le développement de la politique locale de jeunesse participative, donc par le jeune et pour le jeune. Il y a différentes étapes, tu en as déjà cité quelques-unes. Donc au printemps 2022, on a fait un état des lieux du secteur de la jeunesse à Braine-le-Comte et une séance d'information de l'appel à projet en vue de constituer un comité d'accompagnement. C'est ce comité d'accompagnement qui a co-construit les questionnaires jeunes élus et acteurs sociaux afin de réaliser un diagnostic partagé et donc de croiser les regards. En été 2022, donc, il y a eu la carte postale qui a été adressée à chacun des 3760 jeunes âgés entre 10 et 22 ans vivant sur l'entité de Braine-le-Comte. Un QR code sur la carte permettait d'accéder directement au questionnaire en ligne sur le site de la ville. Et les éducateurs de rue, accompagnés du CCJ, donc Conseil communal des jeunes, ont également été à la rencontre des jeunes lors des différentes activités de terrain. Aussi, pour toucher au maximum les professionnels du secteur jeunesse, le service jeunesse a pu compter sur ses partenaires pour endosser le rôle de relais. Quant aux élus locaux, leur avis ont pu être récoltés à nouveau par le CCJ, qui s'est fait un plaisir de les interviewer, de nous interviewer durant l'été. Automne 2022, donc croisement des regards des trois acteurs légitimes avec l'aide précieuse de la cellule communication. Donc au total, 324 questionnaires, 12 sur 37 élus locaux ont répondu et 26 acteurs sociaux sur les 43 relais ont été analysés. C'est donc un taux de participation d'environ 10%, ce qui, d'après le CRECID, représente un très bon taux de participation comparé à d'autres villes ou à d'autres enquêtes. Les résultats des premières grandes tendances ont été présentés aux jeunes intéressés le 18 septembre, novembre, et sont accessibles auprès du service jeunesse via un format PDF ou un lien Canva. Et d'ailleurs, un reportage d'Antenne Centre a été réalisé et est disponible sur le site de la ville. Ces informations ont également été présentées en collège. Un rapport final de l'appel à projet Ça bouge dans notre commune est en cours de réalisation et sera diffusé prochainement via les réseaux sociaux de la ville au tout public pour leur bonne information. Nous avons continué la consultation jeunesse vers les plus âgés entre janvier et mars 2023, en mettant en place des workshops à des lieux stratégiques et au sein des écoles secondaires de l'entité.
Depuis, la consultation jeunesse s'est affinée à 3 enjeux, priorisés par les jeunes qui sont la culture, développer une vision culture jeune-ado qui parle aux jeunes, s'adresser aux jeunes. Le sport, promouvoir les valeurs et bienfaits du sport et la prévention au harcèlement en général. Enfin, l'étape 3 de cette consultation jeunesse est donc effectuée le 1er avril lors de l'événement Le Labo auquel tu as participé, où nous souhaitions voir naître la rencontre entre les jeunes, les élus et les acteurs sociaux. Durant cette année, nous avons rencontré énormément de jeunes qui ont pu nous donner leur avis. Tous ne voulaient pas s'investir, mais voulaient donner son avis. Donc, une vingtaine de jeunes nous ont rejoints lors de notre labo, car eux voulaient s'investir et s'impliquer dans le projet. La communication qui a été faite a été le plus large possible. L'ensemble des jeunes ont été conviés à participer au labo, soit invitation par mail, par SMS, le bouche à oreille, par le biais du travail de rue, sortie des écoles, gares, parcs, activités extrascolaires, mais également via les réseaux sociaux, invitation par le biais du réseau de professionnels, donc les directions d'école, les mouvements de jeunesse, la maison des jeunes, etc. La RCA, le centre culturel, Planning, AMO, PMS, etc. Mais on s'est rendu compte en fait que notre communication n'était pas vraiment adaptée aux jeunes. Donc en fait, elle est devenue obsolète. Donc les mails, les SMS, même les passages sur les écrans géants de la ville, ce n'est pas suffisant pour les jeunes. Donc voilà, on est en train de penser à une nouvelle stratégie de communication digitale qui, elle, parle aux jeunes. Donc les 3 grands thèmes ont été débattus toute l'après-midi et au final, 5 projets ont été retenus. Le premier, et donc on va dire le gagnant, c'est lancer une campagne de sensibilisation de lutte contre le harcèlement. Le deuxième, revêtement du terrain de basket au niveau de la place du Richercha. Le troisième, atelier, animation, campagne sur la thématique du bien vivre ensemble. Le quatrième, festival d'inspiration japonaise autour de l'univers du manga et des animés. Et 5, animation de rue et mobilité douce. Le plan d'action de la consultation jeunesse sera présenté prochainement au collège pour donner suite également des réunions d'évaluation effectuées entre les acteurs sociaux, donc la province, le CRECID, etc. Par exemple, concernant le projet gagnant, une campagne de sensibilisation de lutte contre le harcèlement pour les jeunes est déjà mise en place. Mais il serait intéressant de creuser davantage l'attente des jeunes voulant s'y impliquer, c'est-à-dire impliquer les jeunes dans la campagne de sensibilisation, c'est-à-dire le par les jeunes. Les projets doivent donc être co-construits avec ceux-ci. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de pouvoir définir les actions concrètes du plan d'action et donc le montant du subside. En effet, le premier projet d'une série de 6 peut être introduit à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 30 juin 2023. Il est donc précoce pour se prononcer officiellement à l'heure actuelle. Merci pour votre attention. Merci, Madame Lichfine. Je vais peut-être j'ai peut-être besoin d'une explication complémentaire concernant donc le fait que la communication soit obsolète envers les jeunes. Et quand tu parles de digitalisation, tu vois ça comment Déjà, ne fût-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, Facebook, ça n'intéresse pas du tout les jeunes. Et donc, il faudrait plus aller au niveau des stories, voire au niveau de TikTok, etc. Mais bon, ça, c'est des discussions qu'on doit avoir en collège, parce que le service jeunesse ne peut pas avoir accès à tous ces réseaux sociaux-là. Ah non. On doit passer par le service communication de la ville. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais il n'y aura pas TikTok non plus, hein. La Chine ne sera pas... TikTok, on n'a pas non plus à la ville, voilà. Mais il va falloir discuter. Merci beaucoup à vous deux, parce que vous avez dépassé le temps. Donc, je rappelle notre règlement d'ordre intérieur. 3 minutes pour la question, 5 minutes pour la réponse, 2 minutes pour rétorquer. Voilà, parce qu'on a été dur par le passé avec certains, et donc je me dois d'être juste avec tout le monde. Alors, la question suivante... Non, il y a 2 questions suivantes de la conseillère communale Christine Kegel-Ecout. Donc, la première est relative au prêt du matériel communal pour les associations. Merci, monsieur le bourgmestre. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, vous le savez, notre groupe Brun a dans son ADN d'être au cœur de toutes les activités associatives de notre ville et de nos villages. Notre administration promeut depuis quelque temps un slogan « Une ville en vie ». Cette vie est due d'une part à l'engagement et l'impulsion du politique, bien sûr, mais aussi aux forces vives bénévoles de notre ville et de nos 5 villages.
Depuis quelques mois, les organisateurs d'activités qui font des demandes habituelles à l'administration de prêts de matériel comme des barrières Nadar, des bancs ou des tables, des tentes, des panneaux faits locaux reçoivent une facture plutôt salée. Ben, pour la location, pour le transport de ce matériel. Les tentes blanches de la ville ne seraient par ailleurs plus données. Je suis consciente qu'il s'agit de l'application ferme d'un règlement que nous avons voté en conseil communal, mais j'aimerais poser ces questions au collège communal. Pouvez-vous me confirmer que les tentes blanches de la ville ne sont plus prêtées ? Si oui, quelle en est la raison ? Avez-vous remarqué cette différence au fil des mois de facturation du prêt du matériel ? Si oui, qu'est-ce qui a changé et pourquoi ? Le collège envisage-t-il de proposer une révision du règlement ou des tarifs pour que la ville en vie soit réellement aux côtés des moteurs associatifs de notre ville et de nos villages ? Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Et c'est l'échevin des travaux et du prêt de matériel, André-Paul Coppens, qui va vous répondre. Merci, Madame la conseillère. Merci, Christine, pour cette question qui me permet de reprendre la genèse du dossier et de confirmer à l'Assemblée combien le collège est bien évidemment conscient de la problématique. Il faut savoir que la situation initiale, on prête tout à tout le monde sans condition, a changé suite à l'appel au secours du service travaux, qui n'arrivait plus à gérer les demandes, parfois pharaoniques, il faut le dire, de certains demandant plus que nécessaire, sans devoir détacher plusieurs ouvriers venant d'autres services pour venir prêter main forte aux deux ouvriers du service logistique, surtout d'avril à octobre. Se posait également la question de la concurrence déloyale envers les fournisseurs privés qui louent également chapiteaux, tentes de réception, chalets, etc. Les services travaux et finances ont donc proposé en collège un nouveau règlement avec un tableau de calcul permettant de quantifier les coûts et en limitant également l'offre des locations. Pour rappel, le matériel demandé pour la sécurité des activités, donc je parle de barrières Nadar, panneaux divers, ont toujours été gratuits et le reste à ce jour. Le collège ne pensait pas à ce moment-là qu'il allait se retrouver confronté à des montants parfois astronomiques, remettant alors en cause la structure même de certaines organisations, associations brennoises que la majorité en place ne cesse de soutenir depuis toujours, et ça il faut le souligner également. Il y a deux semaines, donc avant la réception de ta question, une réunion des équipes finances et travaux a été fixée, ce mercredi d'ailleurs, afin de retravailler ensemble le règlement avant de le proposer une nouvelle fois au collège. Donc, bien évidemment, nous allons retravailler le tout. Je tiens également à rappeler que nous avons également revu à la baisse notre implication dans des organisations de plus grande envergure ces dernières années, en proposant par exemple le prêt de matériel sans montage de celui-ci. Je pense d'ailleurs que notre bourgmestre abordera très probablement le sujet lors de sa réponse à la question orale du conseiller Guévard. Des réflexions sont menées également et des actions ont déjà été mises en place pour utiliser au mieux le matériel communal dans nos propres organisations. Donc on ne touche pas uniquement, je vais dire, l'associatif, mais par exemple au carnaval ou le marché Noël, on étudie aussi des solutions pour être plus efficace et que ça demande moins de travail, mais toujours en offrant le maximum de services. Alors si notre administration se veut active dans la gestion rationnelle de ses ressources, le collège l'est tout autant, en proposant sans cesse de nouvelles solutions afin de répondre aux souhaits de tout un chacun. J'en veux pour preuve le nombre de contacts pris une fois encore auprès des exposants par notre bourgmestre, le premier échevin et votre serviteur lors du salon des mandataires la semaine dernière. J'attends d'ailleurs des offres de prix pour des chalets pliables. Voilà. En ce qui concerne les tentes de réception, outre le fait du déploiement considérable en hommes et matériel pour leur montage, celles-ci sont dégradées par le temps et donc ne sont plus présentables pour les festivités. Il en va également de l'image de la ville, ce qui est logique. Il avait été question, c'est vrai, d'en acquérir de nouvelles dans le marché d'acquisition du petit matériel inscrit au budget à l'extra, mais nous avons préféré annuler le projet d'achat pour les raisons déjà largement détaillées dans la présente réponse. Et donc, en toute transparence, je joins également au PV la réponse du responsable des travaux en régie qui explique comment fonctionne le système de calcul actuel, mais comme j'ai 5 minutes, je ne voudrais pas vous bassiner avec ces calculs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question... Attends. Merci. Donc, tu as un droit de réplique si tu le souhaites. Mais oui, je pense que ça doit quand même être étudié parce que les bénévoles se font rares et je pense que si on les freine dans leurs activités, on n'aura plus rien, des comités de quartier ou ce genre de choses.
C'est un gros budget et au final, on n'aura plus rien. Donc la ville en vie va mourir. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Monsieur le conseiller Damas souhaite intervenir alors qu'on ne peut pas. Je ne souhaite pas intervenir dans la discussion. Je souhaite simplement dire que c'est vraiment très chouette d'avoir la réponse à la question dans IMIO, et donc c'est très bien de pouvoir l'avoir pour les autres questions également. Ici, on a la réponse à la question et même le petit document qui explique de toute façon, donc c'est remarquable. Est-ce qu'on pourrait avoir ça pour toutes les autres questions ? Monsieur le directeur général n'est pas au courant. Ah, voilà. Il est proactif. Mais c'est la première fois que ça arrive. En général, je lui envoie après. Et ici, c'était pour faire une blague pour la question de Christiane. C'est que non seulement on téléguide les questions, mais en plus, là, on met déjà les réponses avant même d'avoir les questions. Voyez-vous, c'est incroyable. Madame la conseillère communale, vous avez une deuxième question sur l'utilisation des gobelets réutilisables au carnaval et lors des grands événements. Tout à fait. Donc, depuis de nombreuses années, notre ville est sensible à la réduction des déchets lors des grands événements. C'est ainsi que l'Office du tourisme a produit des gobelets réutilisables il y a plus de 10 ans et a permis à de nombreux événements de réduire drastiquement leur consommation de déchets. Je pense par exemple au 1er mai à Ronquières, où l'on a réduit les déchets de l'équivalence d'un camion complet. Le débat fait rage depuis quelques mois dans les carnavals de la région. Pour être allée personnellement dans l'un des plus beaux carnavals, il faut le dire, de la région, je me permets ce clin d'œil à mon collègue et ami en région qui est né à Binche. J'ai pu voir que de nombreux gobelets en plastique jetables ou encore beaucoup de verres en verre circulaient sur la voie publique. J'ai lu aussi dans la presse que dans d'autres événements du centre, la gestion de ces gobelets était très problématique, voire improvisée. Si je ne me trompe, une directive européenne interdit dorénavant les gobelets jetables. Ma question au collège est donc simple. Quel est le bilan de l'utilisation de gobelets réutilisables sur nos grands événements et principalement au dernier carnaval? Les cafetiers ont-ils joué le jeu? Les responsables de chars aussi? A-t-on une idée de la masse de déchets ainsi non produite? Merci pour ta réponse. Merci beaucoup pour ces questions qui parlent tant d'environnement que de police que de tourisme. Et donc, c'est Angélique qui s'est empressée de dire « je réponds ». Et donc, je cède la parole à notre échevine du folklore et du tourisme. Merci, monsieur le bourgmestre. Merci, Christine, pour ta question. Le bilan d'utilisation des gobelets réutilisables, forcément, il est très positif. Donc, il y a énormément d'avantages. Donc, il y a moins de déchets. Donc c'est beaucoup plus écologique par rapport aux gobelets jetables. Ils sont solides, ils n'altèrent pas la saveur des boissons. Ils peuvent être réutilisés plus de 150 fois, ces gobelets. Et ils sont moins dangereux que le verre. Ils sont donc beaucoup plus sûrs et fiables. Nous étions vraiment des précurseurs dans cette philosophie parce que pour le marché de Noël, par exemple, nous l'imposons depuis 2011. Bon, ça n'a pas été suivi directement. Il a fallu le temps que la mayonnaise prenne, mais... voilà, ça a été. Jusqu'en 2022, on laissait la possibilité d'avoir une dérogation pour certaines boissons. Mais depuis l'année passée, c'est obligatoire pour tout le monde et pour tous les événements publics de masse. Les gobelets de l'Office du tourisme sont utilisés à de nombreuses occasions, donc que ce soit pour les fancy fairs, pour les portes ouvertes, fêtes des voisins, même pour des événements privés, pour le carnaval, marché des saveurs 1er mai, le marché aux fleurs, etc. Voilà. Concernant le carnaval 2023, tout le monde a joué le jeu. Forcément, c'était aussi une obligation. Au niveau des cafés, ils sont venus chercher les gobelets de l'Office du tourisme. En tout, plus ou moins 2200 gobelets ont été prêtés. L'Afterwork 300, New Sport 300, Moderne 300, Arcade 400, Continental 300... Friterie et le Régal, 300, et le Parvis, 300. Voilà, le Rempart, lui, possède déjà ses gobelets réutilisables, donc il n'a pas besoin vraiment des nôtres. Au niveau des chars qui vendent des boissons, c'est-à-dire principalement les chars de Rebec, ils ont joué le jeu aussi, mais ils ont utilisé des gobelets compostables, et ils ont installé eux-mêmes des poubelles, aussi bien sur le char que sur la route, afin de récolter tous les gobelets. Voilà, concernant la masse de déchets non produits, c'est un petit peu difficile,
mais par événement, pour le marché de Noël et pour le carnaval, c'est plus ou moins deux conteneurs de 1100 litres. Voilà. Et après, bon, c'est la quantité est moindre, même si le gobelet en plastique ne prend pas beaucoup de place. Donc, le volume n'est pas super important, mais au niveau de... Il y a aussi un avantage au niveau de l'éparpillement de ce type de déchets qui doit être ramassé dans les rues. Et donc, ça représente une charge de travail pour le service des travaux qui n'est vraiment pas négligeable. Voilà, je terminerai en vous disant que si vous avez besoin de gobelets réutilisables, que ce soit pour un événement privé ou public, vous devez, et que vous êtes brennois ou vous faites partie d'une association brennoise, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'Office du tourisme et on vous les prêtera gratuitement. Voilà, merci. Merci Madame Léchevine. Madame la conseillère, est-ce que vous souhaitez rétorquer? Mais oui. Oui, parce que je ne savais pas qu'on pouvait les avoir à titre privé aussi. Il faut être brennois ou faire partie d'une association brennoise. Ah bon, ben, merci. Seule condition. Alors, merci beaucoup à vous deux. Nous passons à la question suivante. C'est celle du conseiller communal Michel Brancard sur les voitures partagées. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Voilà, mon interpellation, effectivement, concerne la thématique des voitures partagées. Alors, au conseil communal du 30 mars 2022, notre groupe, par l'intermédiaire de notre conseiller Laurent Louveau, a interrogé le collège et plus spécialement monsieur l'échevin de la mobilité au sujet de la possibilité d'un système de voitures partagées dans notre ville. Reconnaissant que le service mobilité s'attelle à un ensemble de chantiers et projets qui visent à proposer et optimiser des solutions au niveau de la mobilité douce, les voitures partagées sont un bon compromis en matière de problèmes environnementaux, diminution et fluidification de la pression automobile. Et bien sûr, sans oublier le portefeuille des citoyens qui pourraient accomplir certains trajets dans un contexte où l'achat d'un véhicule personnel est de plus en plus compliqué. Il fut répondu par M. Léchevin que ce système est une des solutions aux problèmes environnementaux, au parking et est complémentaire au transport en commun. Cela a une influence positive sur le budget familial et permet de réduire le nombre de voitures par ménage, voire de les supprimer. Une réflexion est en cours au sein du service mobilité pour mettre en place ce système de voitures partagées. Plusieurs projets sont approchés par M. le bourgmestre et le collège pour en étudier la faisabilité sur notre territoire. Alors, au conseil de décembre 2022, à la présentation du budget 2023, la ville a inscrit 15 000 euros de crédit pour le projet de voiture partagée avec en recette 7 500 euros. Pourriez-vous nous informer si la ville continue ses réflexions en cette matière? Des pistes sont-elles ouvertes afin d'adhérer à un système d'autopartage et aux possibilités d'aide au financement par le pouvoir régional? Et à quoi correspondent les montants présentés au budget 2023? Voilà. Et alors, je mentionne en fait le site de mobilitéwallonie.be sur lequel il y a tout un dossier très intéressant et qui analyse les avantages, les inconvénients des voitures partagées. Voilà. Merci. Merci, monsieur le conseiller. C'est l'échevin de la mobilité, Léandre Huard, qui va répondre. Merci pour cette interpellation. Mais donc, notre philosophie est restée similaire par rapport à mes dires de l'an dernier. Et donc, les réflexions pour la mise en place d'une station d'autopartage sur notre territoire a bien été menée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une ligne budgétaire à l'ordinaire a été inscrite au budget 2023. Néanmoins, vous savez certainement que les projets sont nombreux et qu'ils ont été priorisés par le collège. Ce projet a été mis en priorité 2 pour cette année 23. La participation financière demandée à la commune par les sociétés d'autopartage permet de couvrir les risques d'une croissance d'utilisation plus lente que dans les centres urbains où la masse d'utilisateurs est plus rapidement atteinte. Pour ce faire, la plupart des sociétés d'autopartage fonctionnent avec un système de cashback, ce qui signifie que plus la voiture roule, plus l'apport financier demandé à la collectivité diminue. Si le seuil de rentabilité du véhicule est atteint, plus aucun apport financier n'est demandé, pour autant que la commune puisse bien évidemment aider à maintenir ce seuil par des actions de promotion, de communication.
Le seuil de rentabilité d'un véhicule partagé, c'est le volume de location nécessaire pour couvrir les coûts du véhicule. C'est pour cette raison que nous avons inscrit une dépense et une recette prudente qui a été estimée par le service financier. D'ailleurs, à mon avis, en modification budgétaire, cette ligne budgétaire va devoir faire l'objet d'une légère augmentation au vu des indexations que l'on connaît actuellement. Mais donc, on s'attelle à ça pour les vacances d'été, le mois de septembre, pour finaliser le cahier des charges. Merci, Monsieur le Chouin. Monsieur le conseiller. Je veux simplement ajouter, merci donc de la réponse. Et alors, sachez qu'il est tout à fait évident que ce n'est pas simple, pas du tout simple, il y a des contraintes, etc. etc. C'est pour ça que ce dossier sur le site de mobilité wallonie.be est très bien fait. Mais ce n'est pas simple à mettre en manœuvre, en route. Quoi. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Nous passons maintenant à une conseillère, votre voisine de banc, à savoir Nathalie Huinan, sur la mobilité dans le quartier du cimetière. Merci, monsieur Boumet. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, ma question porte donc sur la mobilité dans le quartier du cimetière et lotissement du Poseur et environ. Le mercredi 12 avril dernier, des travaux ont été réalisés sur une toiture d'un particulier rue Édouard Moucheron. Pour ce faire, la circulation a été bloquée sur un certain tronçon de cette rue, empêchant les riverains du cimetière, du lotissement du Poseur et environ, de sortir du quartier pendant plusieurs heures jusqu'en début d'après-midi. Les panneaux sur le trottoir informaient de l'interdiction de stationner, mais les riverains n'avaient pas été prévenus du blocage complet de la circulation via la rue Édouard Moucheron, seule sortie possible de ce quartier. Par chance, une déviation a pu être mise en place grâce à la voirie du parking du cimetière, fréquemment empruntée par les riverains pour aller vers Petit-Reuze, Tinquerque, Enghien. Puisque c'était le jour de ramassage des PMC, le camion a également utilisé cette voie de secours. Or, lors de la présentation du futur aménagement du parking du cimetière en parc en milieu urbanisé, il nous a bien été précisé que cette voirie n'en était pas une et disparaîtra lors de la création du parc à cet endroit. Qu'en sera-t-il alors d'une telle situation? Placerez-vous le chemin brûlé à double sens? Obligerez-vous les riverains à faire un détour en se dirigeant vers le hameau Favarge et à emprunter cette fameuse voirie appelée telle quelle qui n'est plus praticable que par des tracteurs, gros 4x4 ou SUV? Ou de manière plus pratique, veillerez-vous à ne plus autoriser la fermeture complète de la rue Édouard Moucheron sur tout ou partie? Les riverains du quartier du cimetière, du lotissement du Poseur et environ, pourront-ils être assurés à l'avenir, lorsque le parc existera, que vous tiendrez compte de la mobilité spécifique dans ce quartier? Je vous remercie pour les réponses apportées. Merci beaucoup, Madame la conseillère communale. Et c'est l'échevin de l'environnement et de la mobilité, Léon Druard, qui va répondre. Merci. Mais donc, tout d'abord, j'insiste sur le fait qu'effectivement, cette pseudo-voirie entre la route de Petit-Reuze et Édouard Moucheron n'en est pas une. C'est une voirie pirate. Ça semble vous faire un peu tiquer et qu'il est quand même plus positif de voir apparaître un magnifique parc urbain de 60 arts avec cette zone qui sera déminéralisée. Ce sera quand même plus positif que cette pseudo-voirie qui est certes pratique dans des cas très, très, très ponctuels. Et qui peuvent être très rapidement réglés. Puisqu'il faut savoir que la ville et services mobilité ne pourra jamais interdire la coupure totale de circulation, qu'elle soit demandée pour des travaux particuliers ou publics, des itinéraires bis ou bien un travail en demi-voirie sont toujours proposés en fonction des opportunités. Dans chaque autorisation est inclue l'obligation par le demandeur de mettre en place une déviation et d'en informer les riverains. Ici, il y avait une accumulation de travaux particuliers et également un travail d'urgence du service travaux sous des éléments linéaires de voirie. Évidemment, les obligations sont au prorata de la durée de cette interdiction de circuler. Chaque situation est étudiée avec ses particularités. Nous essayons toujours de minimiser les inconvénients. Et nous verrons, lorsque le parc sera réalisé, donc chose très positive, à trouver les meilleures alternatives pour les habitants de ce quartier afin que cela n'arrive plus. Merci, monsieur l'échevin. Madame la conseillère. Voilà, merci. Je suis également contente qu'il y ait un parc qui se crée, mais donc juste faire très attention au fait de laisser la circulation ouverte, au moins sur une moitié de voirie, et pas plus tard que samedi, 22 avril. J'ai des photos. On a de nouveau dû rouler sur le trottoir parce qu'ils ont de nouveau empiété sur les trois quarts de la voirie. Alors, tracteur, je ne sais pas comment ils ont fait pour passer ce jour-là. Et même si ça vous paraît
paraît peu ces obstructions complètes. Moi, le mercredi 12 avril, j'allais justement à l'hôpital. Heureusement que cette petite voirie ne m'a pas fait faire le tour par toute la campagne, c'est tout. Merci beaucoup. Ce sera donc relayé. Alors, la question suivante, c'est la conseillère Christiane Offals sur les questions orales de la liste Braine. Donc, sur les questions orales des conseillers de la liste Braine. N'y a-t-il pas un manque de compréhension des dossiers ? N'y a-t-il pas un manque de communication entre les conseillers de la liste Braine et leurs échevins ? Lors du dernier conseil communal, nous avons en effet constaté que les membres de la liste Braine se posaient des questions à eux-mêmes. Il est sans doute de bonne guerre que les conseillers de la majorité veuillent aussi exister et aient envie de se manifester. Mais nous trouvons que ce petit jeu de questions-réponses préparé en coulisses pourrait se tenir lors de vos préparations de collège au vert ou dans le cadre d'un maillage bleu et rouge. Ceci n'est un constat tout à fait discutable et nous comprendrions que vous ne le partagiez pas. Nous tenons à vous faire part de notre ressenti. Mais évidemment, il y a une suite plus sérieuse à cette réflexion. Est-il normal qu'une conseillère de la liste Braine interroge la majorité en attaquant une action d'un parti de l'opposition, sans le citer, et en généralisant sa critique aux deux partis confondus de l'opposition? Il est bien évident que le groupe Ensemble défend également la sauvegarde du parc des Dominicains, sacrifié à l'autel d'une politique obtuse qui refuse de reconnaître ses erreurs et maintient coûte que coûte ses objectifs d'aménagement. Cependant, nous ne sommes pas ici à la manœuvre avec la pétition sur le parc des Dominicains qui revient au groupe Écolo. Nous tenions à vous faire part de notre ressenti. Mais évidemment, il y a une autre suite plus sérieuse à cette réflexion. Nous trouvons en effet qu'il n'est pas normal que dans ces circonstances, le groupe Écolo n'ait pas eu l'occasion de se défendre et de s'exprimer après cette intervention. N'y aurait-il pas lieu d'amender le ROI en donnant un droit de réponse à tout parti qui serait mis en cause par une question orale ? Seule la majorité, liste Braine et socialiste, dispose de fait de ce droit par la voix du président de séance et de celle des échevins. Cette disposition n'est pas très démocratique. Merci pour vos réponses. Alors, effectivement, nous n'avons pas la même notion de la démocratie. Et c'est vrai que souvent, on a des débats là-dessus et on pourrait proposer au Parlement wallon, du coup, de changer le code de la démocratie locale et de la décentralisation, puisque même à la ville de Namur, par exemple, le bourgmestre Maxime Prévost, qui est formidable, agit même pire que nous, c'est-à-dire que les conseillers, j'ai été vérifié tout à l'heure pour répondre, ont 2 minutes. Donc nous, on vous laisse quand même plus de temps. Mais ce n'est pas très démocratique. Les conseillers de la majorité ne sont pas des presse-boutons. Je vous souhaite vraiment d'être un jour dans la majorité, mais j'espère alors du coup que si vous suivez vos propositions, vous serez muselés et vous n'aurez pas le droit de déposer des questions orales. Allez, sincèrement, on ne se pose pas des questions à nous-mêmes, bien que, et sans le faire exprès, je ne sais pas si vous avez remarqué, les conseillers de la liste Braine ont posé des questions aux échevins plutôt socialistes cette fois-ci, et les conseillers socialistes ont posé des questions aux conseillers de la liste Braine. Et ce n'est vraiment pas fait exprès, puisque votre question est arrivée bien après les autres, puisque l'ordre de passage symbolise cela. Donc, effectivement, les conseillers communaux, majorité comme opposition, ont le droit, évidemment, d'exister. C'est pas malsain, au contraire. Et ils travaillent beaucoup également en coulisses, même si les conseillers, j'ai pas très bien compris cette allusion au collège au vert, parce que le collège au vert, c'est le collège qui est au vert, dans le sens qui se met à l'écart pour pouvoir travailler davantage. Quant aux questions mettant en cause un autre groupe, en effet, ce n'est pas très correct. Car ce n'est pas correct par rapport à notre règlement d'ordre intérieur qui a été voté en Conseil communal le 29 mars 2021. Et donc, si je m'en réfère à ce même ROI, votre question n'est pas non plus valable puisque vous attaquez un autre groupe qui n'a pas l'occasion de se répondre. Balle au centre,
ce qui vous intéresse, évidemment. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est une réunion des chefs de groupe pour au mieux organiser cela et pour revoir le ROI. Mais par contre, nous ne pourrons pas revoir pour la xème fois le règlement trop difficilement, parce qu'à chaque fois, on a été cassé par la tutelle. Ça me permet de rappeler, merci Christiane, qu'à chaque fois qu'on a voulu lâcher du lest de la majorité vers l'opposition pour être plus démocratique, selon vous, à chaque fois, la tutelle nous a cassé. Merci de la réponse. Et je suis contente, disons, notre groupe est content de faire une réunion des présidents pour en discuter. Quoi. C'est quand même un débat à faire. Eh bien, si vous êtes content, je suis content. Merci. Madame la conseillère Anne-Françoise Petitjean, sur la pétition des habitants de la rue Neuve et des rues adjacentes. Merci. Il y a quelque temps, une pétition a été adressée au collège par les habitants de la rue Neuve et des rues adjacentes. Cette pétition, signée par 95 citoyens, mentionne les dangers auxquels sont exposés les usagers faibles et particulièrement les enfants dans ces rues, et ce, depuis la mise à sens unique de la rue des Caussines, qui a fait de la rue Neuve une voie de transit. Les dangers et problèmes sont nombreux. Vitesse excessive des voitures et des bus, vibrations, embouteillages, passage de camions, pollution sonore, dégâts aux habitations et aux véhicules stationnés. Nous savons que des travaux sont prévus et que la rue Neuve sera complètement rénovée, mais actuellement, les risques d'accidents sont présents au quotidien, les problèmes d'insécurité subsistent et aucune solution, même temporaire, n'est proposée. Voici mes questions. Le collège a-t-il pris connaissance de la pétition qui lui était adressée ? Suite à cette pétition qui démontre l'inquiétude des riverains, comptez-vous mettre en place des dispositifs de sécurité provisoire en attendant les travaux ? Et dans l'affirmative, pourriez-vous nous dire quels seront ces dispositifs ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame la conseillère. C'est l'échevin donc, de la mobilité, Léon Druer, qui va répondre. Merci. Donc, nous avons bien pris connaissance de cette pétition et lu avec beaucoup d'attention. Une réponse à chaque pétitionnaire a d'ailleurs été distribuée vendredi dernier. Actuellement, nous avons placé un analyseur de trafic qu'on ne voit pas puisque c'est une petite boîte noire sans écran afin d'avoir un portrait le plus juste possible de la situation actuelle en termes de vitesse et de fréquentation. Ce boîtier est très discret afin de ne pas fausser donc ces informations. Nous placerons dans un second temps un radar préventif plus visible. Celui-ci a tendance à diminuer la vitesse. Il pourrait être maintenu en place. Prochainement, le service mobilité va se faire accompagner pour travailler sur un centre-ville apaisé. Zone 30, comme nous l'avons voté à l'unanimité dans le cadre du plan cyclable, cela va de pair avec l'étude de la mise en sens unique de la rue Neuve en parallèle avec celle de la rue de France, afin de gagner de l'espace en vue de créer des voies cyclables. Enfin, comme vous avez pu le dire, et mon collègue André-Paul Coppens l'expliquait lors du dernier conseil, des travaux plus conséquents sont quant à eux prévus dans le prochain PIC. Merci, monsieur l'échevin de la mobilité. Anne-Françoise. D'accord. Moi, j'ai reçu des infos en date du 16 avril, où là, les riverains n'avaient pas encore reçu la réponse du collège, d'où la question. Mais voilà, c'est vrai qu'avec le retour des beaux jours, les poussettes vont faire leur apparition, les cyclistes, etc. D'accord, il y aura des radars préventifs, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévoir des dispositifs temporaires, chicanes, ou en attendant les travaux ? Ou au moins rencontrer les riverains pour voir quelles sont leurs attentes ? Il y a déjà une grande pression de stationnement dans cette rue-là et dans le quartier. Donc oui, on va étudier la situation, mais comme on le fait actuellement pour le quartier d'Henri Pont, d'un Baudricain, tu sais bien que ça prend énormément de temps, ce genre d'études de mobilité, et c'est pas demain la veille qu'on va trouver la solution miracle. La solution miracle, on l'a malheureusement pas encore, sinon on l'aurait répété dans chacun des quartiers. Donc oui, une analyse va être faite. On va d'ailleurs se faire accompagner par une personne supplémentaire au service mobilité de manière temporaire, et elle sera focalisée vraiment sur le centre-ville trafic zone 30, et avec cette particularité d'axe quand même structurant qu'est la rue Neuve, avec les problématiques que l'on connaît. Donc on s'y attelle, mais voilà, t'es pas sans savoir que les projets de mobilité prennent énormément de temps, ça doit être aussi en concertation avec les riverains. Donc voilà, c'est un processus qui va se mettre en place prochainement. Donc on a entendu les pétitionnaires, ils ont toutes les informations, ils ont entièrement raison.
Et donc voilà, on s'attelle à faire cela dans les prochains mois. Mais voilà, c'est compliqué et ça prend du temps, je le répète. Ok, merci. Et monsieur Leschvin-Fievé, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, juste, mais je l'ai dit à Anne-François, je la remercie pour la pétition et je me permets de me joindre avec mon collègue et voisin et ami Henri-Jean André. Donc on a effectivement aussi interpellé nos collègues du collège parce qu'on le constate puisque nous sommes riverains de la rue. La seule chose que je peux déplorer, je trouve ça un peu dommage que ni Henri-Jean ni moi je l'aurais signé avec plaisir la pétition. On ne nous a pas demandé. Alors j'espère que ce n'est pas juste une manœuvre politique. Je trouverais ça dommage. Non, je ne dis pas dans ton chef. Hein, mais donc voilà, moi je la signe des deux mains, cette pétition, parce qu'effectivement, la circulation est catastrophique dans la rue. Pour la petite histoire, anecdote, la maman de ma filleule qui est venue passer le réveillon de Nouvel An chez moi a failli se faire embrocher par une voiture juste en ouvrant sa portière, parce que les gens, et moi je viens de me faire dépasser par une camionnette dans la rue en descendant, et j'attire l'attention que le sens unique n'aurait de sens pour moi que s'il est dans le sens de circulation du bas de la rue vers le haut. Si on le maintient du haut vers le bas, ce sera accentuer la piste pour les écervelés qui s'imaginent être à Francorchamps. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Dernière question orale de ce soir, c'est le conseiller Yves Guévard. Sur le Ronquière Festival. Non, l'assistance communale aux associations, pardon. Eh oui. Monsieur le bourgmestre, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les échevins et présidents du CPAS, vous n'êtes pas sans savoir l'attachement que le groupe Ensemble manifeste vis-à-vis de l'expression et de la participation citoyenne, ainsi que du monde associatif. De nombreuses associations se manifestent sur le territoire brennois et occupent une place importante dans notre ville et ses villages. Elle crée et donne de la vie aux quatre coins de l'entité, tisse des liens et de la solidarité entre les personnes dans les quartiers et les villages. Les associations sont les acteurs majeurs d'une ville et ses villages en vie. Pourtant, ces associations ont de plus en plus de difficultés pour obtenir un peu d'aide en prêt de matériel divers ou que les coûts demandés deviennent prohibitifs. Nous ne pouvons accepter cette situation qui témoigne d'un choix politique quant aux priorités données pour l'utilisation des budgets. Il nous revient par exemple que de plus gros événements qui n'ont rien à voir avec les organisations citoyennes reçoivent le soutien marqué de la majorité qui mobilise alors les forces vives et le bénévolat. Il faut pourtant être aussi conscient que le Ronquière Festival est organisé par une société liégeoise RF Prot SPRL qui a peu de liens avec les citoyens brennois. Si Braine-le-Comte possède un bon festival, connu et reconnu, et que la ville a aidé financièrement son démarrage, la société privée organisatrice dégage du bénéfice. Pour 2021, la société a déclaré un bénéfice à reporter de près de 125 000 euros. Elle a conservé une subvention de la ville en matériel et coûts de personnel d'un montant que vous avez estimé pour l'édition 2021 à plus de 20 000 euros. Certes, nous sommes favorables à l'organisation d'un tel événement sur notre territoire et que deux membres d'un ménage brennois, jusqu'à épuisement d'un quota, peuvent obtenir une réduction sur le prix d'entrée, mais c'est la collectivité entière qui participe à cette subvention de 20 000 euros à cette société privée, alors que cela devrait être budgétairement parlant totalement neutre. Ne serait-il pas temps de rediriger cette subvention vers les associations actives qui en ont besoin dans le cadre de l'organisation d'activités diverses, sociales, culturelles, ludiques, sportives et de jeunesse, pour qu'une ville et ses villages en vie ne soient pas qu'un slogan. Nous pensons que 20 000 euros peuvent facilement être convertis en prêts gratuits de matériel et de main-d'œuvre. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre réponse. Bon, merci beaucoup, monsieur le conseiller Guévard, pour cette question. Je vais d'abord faire un petit clin d'œil à votre collègue Christian Offals, qui se plaignait des questions de la liste Braine, mais on a ici un copier-coller de la question de la conseillère Christine Kegel, qui a envoyé sa question mercredi 19 avril à 16h. Enfin, en tout cas, vous a été transmise à vous mercredi 19 avril à 16h. Et ici, quasi mot pour mot, d'ailleurs, certaines phrases sont quasi les mêmes, a été envoyée donc vendredi 21 avril à 11h50.
La limite étant midi. Christiane, c'est que les questions orales de Christine ne sont finalement pas si mauvaises que cela. Alors, nous partageons évidemment, M. Guévard, cet amour de l'associatif avec en prime, dans notre cas, une présence de nos équipes à la quasi-totalité des manifestations et activités organisées par le même secteur associatif. C'est ça aussi un soutien important. Alors, ça faisait évidemment longtemps qu'on n'avait plus tapé sur le Ronquière Festival, mais pourtant tout est limpide. D'ailleurs, justement, quand on vous dit, via ici le contrôle des comptes de cette effectivement SPRL, les comptes passent ici même en séance publique, c'est qu'il y a une clarté, une transparence. Mais par contre, c'est vrai que les comptes du Rotary Club de Braine-le-Comte, qui organise le 1er mai à Ronquière et qui reçoit aussi énormément d'aide logistique de notre ville, ne passent pas par ici. Ici, la seule chose que l'on fait pour le Rotary, seul, c'est déjà pas mal, c'est que nous mettons même à notre disposition notre salle et ici même, ils remettent des chèques aux associations, dont des associations qui sont chères à des membres de notre assemblée, et pourtant la ville leur octroie aussi énormément d'aides gratuites, et je suis certain que si on commence avec les chemins des travaux à faire le même processus légal et réglementaire que pour le Ronquière Festival, on serait parfois étonné des sommes ainsi investies au niveau public pour des associations à objet caritatif, en ce y compris d'ailleurs pour l'Office du tourisme sur le centre du village de Ronquière. C'est juste pour vous dire à quel point, et vous êtes vous-même un interpellant à ce sujet-là, à quel point dès qu'il se passe quelque chose au plan incliné de Ronquière, nous essayons d'être soutenants envers tout le monde, que l'on soit dans le caritatif ou non caritatif, et nous aurons encore l'occasion ici même de nous réjouir, j'ose espérer, de toute une série de grands événements qui viendront au plan incliné de Ronquière. Alors, évidemment, c'est vrai que cette aide communale de 20 000 euros, il y a des contreparties, vous l'avez dit, donc des places moins chères pour les Brennoises et les Brennois. Les billetteries, d'ailleurs, fonctionnent effectivement très bien. Mais ce festival que vous décriez ne reçoit pas d'aide publique, comme certains, notamment festivals qui sont organisés par des engagés et qui reçoivent du côté de Mons des sommes faramineuses d'argent public. Ici, évidemment, on est dans un festival qui s'autogère, qui s'autofinance. Et donc, qu'est-ce que c'est 20 000 euros sur un budget de 3 millions d'euros qui sont investis sur notre territoire? C'est vraiment des cacahuètes. Et donc, pour le reste, bien évidemment, André-Paul Coppens, les chemins des travaux, a déjà répondu à toutes les questions de Christine Kegel, qui sont les mêmes que les vôtres. Donc, nous avons réunion mercredi pour parler, évidemment, de ce règlement de prêt de matériel et de voir comment on va pouvoir effectivement aider davantage le secteur associatif brennois. Oui, parce qu'en fait, l'objectif de ma question était plutôt vers ces petites associations, ces mouvements de jeunesse, ces comités de quartier qui demandent trois panneaux de défense de stationner, des barrières Nadar. C'est gratuit. C'est gratuit. Bah, donc, si c'est des panneaux d'interdiction de stationner, c'est de la sécurité, c'est gratuit. Si c'est des barrières Nadar, non pas pour délimiter les bars, ça c'est payant, mais si c'est des barrières Nadar pour la sécurité, pour les piétons, c'est gratuit. Si c'est des panneaux attention fête locale, c'est gratuit. Voilà. Mais il faut aller les chercher au service des travaux. Non, donc, ou alors effectivement, il faut payer le transport. Donc, c'est souvent, ça aussi qu'on dit des hommes. Souvent, je suis étonné et même admiratif de cette débrouillardise que l'on a notamment dans le secteur associatif, qui disent oui, pas de souci, on arrive avec notre morgue, et voilà. Mais après, vous êtes la même personne, et on en parlait avec André-Paul ce matin, qui nous dit aussi par moment, attention, il faut reboucher les trous, il faut refaire les trottoirs, il faut faire ci, il faut faire là, mais les ouvriers des services des travaux, ils ne peuvent pas être au four, au moulin, et donc il faut faire ce que l'on appelle la priorité. Mais nous avons un changement de mentalité qui est en train de s'opérer, et donc n'hésitez pas à reposer une question de concert, ce serait une première, tiens, avec Christine au prochain conseil communal, et on vous donnera les résultats de notre réunion, mais qui viendra peut-être avec une proposition d'amendement ou de correction de notre règlement communal. Ouais, donc voilà. Vraiment, moi, mon objectif, c'était ne pas oublier les petites mais associations, oui, comme etc. Oui, tout, mais je suis d'accord avec elle. Hein. et donc voilà, et quand c'est vrai que on me parle de dire, ouais, on donne 20 000 euros de subvention à une société privée, ça fait un peu mal au cœur que la petite organisation. Mais vous avez raison, et il faudrait en fait qu'il fasse comme
plein de gens, et comme d'ailleurs des comme des festivals que j'ai cités, ils devraient faire une ASBL, ça passerait beaucoup plus simple, plutôt qu'une société. On est bien d'accord. Mais c'est tellement mentir aux gens. La transparence, parfois, a ses défauts aussi, la preuve. Voilà, donc ceci clôture nos questions orales de ce soir et clôture également notre séance publique du Conseil communal. Donc je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui nous ont préparé ce conseil, ceux qui ont diffusé sur les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook et autres, le conseil ainsi que les réponses qui sont apportées par la cellule communication en toute indépendance aux questions et commentaires qu'auraient les citoyens. C'est un exercice de transparence que nous continuons à faire là où beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes et communes ont arrêté depuis pas mal de temps. Je vous souhaite une agréable soirée et nous continuons avec le huis clos, évidemment, pour les membres du conseil. Merci beaucoup.